So sit back, relax, and strap on your seatbelt. You've never been on a ride like this before. Wallah, un jour, si Dieu veut, j'irai aux États-Unis. J'irai louer un Impala 6-4 et j'irai à Crenshaw. J'irai à Watts. Je mettrai des chemises de bûcheron, comme les latinos y font, avec un t-shirt blanc et j'ouvre et je ferme que le bouton de chemise ici. Et j'irai au carouache. Nixabi, j'irai au carouache. Bon, wassalam alaikum les frérots. Aujourd'hui, on va parler d'une chose assez importante. Donc, d'entrée de jeu, j'avertis les gens. On va parler de l'islam swag. Certains me diront, mais Bassem, tu parles d'islam, mais tu fumes un joint. Oui, effectivement. Je suis loin d'être un exemple. Mais moi, j'ai envie de parler des dérives et des dangers. Et de l'incompréhension de l'islam swag. Parce que, il y a beaucoup de gens, ils font exprès de ne pas comprendre. J'ai publié une photo où apparemment, c'est une voilée qui est de dos avec son homme. Ils sont en train de regarder le match. Mais il n'y a aucun problème. Déjà, c'est pas moi qui a snappé. Et en plus, moi, je l'ai reçu. Et en plus, quand j'ai voulu dire ça, mais elle a le droit d'aller voir le foot avec son mari. Mais pas dans une tribune où c'est des virages. Il y a un but qui est marqué. Les gens, ils descendent. Ils sont torse nu. Ils puent le sanglier. Ils sont pétés, frère. Non, tu vas avec ta femme. Tu l'emmènes dans des tribunes normales. Elle a le droit de regarder le match. Oh. Elles ont le droit de faire des snaps avec les manettes de PS4. Genre, qui veut faire une partie FIFA avec moi? Le camion. J'ai besoin du camion. Moi, quand je vois des trucs comme ça, la solution, elle est là. Voici la solution. Le camion, c'est un Mercedes. Je vous respecte, moi. C'est un Mercedes, putain de merde. Putain. Voilà. Ouais, donc on va parler de ça, la famille. Allez, je vais mettre en route le truc. Putain. Attends. Cache les péchés de tes frères. Cache les péchés de tes sœurs. Tout de suite, ça appelle. Aïe, 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 ils sont chauds, les gens. Allô, salam alaikum. Ouais, salam alaikum. Salam alaikum, Bassem. C'est Amir Kaiden de Facebook, de La Chronique. C'est Amir Kaiden de La Chronique. Frère, tu m'as dit ton pseudo, on dirait que tu joues dans Star Wars. Je t'écoute, frère. Sois le bienvenu. Wassalam alaikum. Bah écoute, j'appelais pour réagir au débat. Ouais. Sur les dégâts de l'islam swag. Ouais. Bah écoute, frérot, moi le problème, moi ce qui m'agace, c'est qu'aujourd'hui ça perd la notion de tout ce que tu vois au niveau des valeurs, de tout ça. Et c'est aujourd'hui, c'est devenu un effet de mode, à tel point que, en fait, la plupart de ces gens-là, et je parle simplement des fragiles et effectivement des beurrettes fragiles, c'est surtout ils aiment, en fait, tout ce qui gravite, en fait, autour de ça, c'est-à-dire les chemises, les voiles, les tout ça. Et le problème, c'est que tout ce qui est au niveau pratique, c'est zéro, en fait. Tu vois? À tel point que l'islam swag, aujourd'hui, ils confondent hadith et paroles de rappeurs. Et on l'a bien vu, effectivement. Ah bon ? Écoute-moi bien, frère. J'arrête le débat. Tu as tout dit. Bonne soirée à tout le monde. Bravo. Regardez ce qu'il vient de dire, le frère. Ça confond hadith et paroles de rappeur. Et ça, en fait, je vais t'expliquer une chose. Déjà, mon frère. Ouais, frère. Donne-moi ta définition personnelle de l'islam swag. Essaye de l'imager. Image-le. Nous, quand on fait ce débat, c'est pour le bien de notre communauté. Wallahi l'azim. On est loin d'être des exemples. La veille, on aide des gens, le lendemain, ça va se trouver, on est dans un hôtel avec des gens bizarres, bien sûr qu'on a tous, mais de là à mélanger tout, oh frérot, un jour je publie une photo, j'avais des ganglions, Rabbi Amini s'était gonflé ici, il y a une sœur, elle me sort un hadith sur cette maladie, d'après Ibn Ganglion, limite frérot, d'un ganglion, elle allait me faire un rappel. Faut pas tout mélanger. Ah ouais, mais bon. Mais mélange tout et n'importe quoi. Maintenant, ça part avec des hadiths à la Gargamel ou je sais pas quoi. Ils savent même plus. Ils ont plus les notions des choses. Ils ont plus les notions des choses. Là, la preuve, t'avais posté récemment quelque chose sur La Chronique. Par exemple, tu sais, le frère, l'Airhamou, tu sais, qui est mort, tu sais, par rapport au rap, là, tu sais, sur les rails, là, Apparemment, j'ai reçu ça. Je me suis dit, tiens, il serait bien qu'on le mette un peu. Voilà, le petit frère, il a voulu faire un clip sur les rails après frérot. On a tous eu 21 piges. Hein? On est tous partis en couille. On a tous eu pas de cerveau. On a tous eu... Mais frérot, nous avant, quand on faisait des bêtises, merde quoi. Les plus grosses bêtises qu'on pouvait faire, c'est une attaque bélier en série 7.
chez Boss. Ah, moi je volais plutôt les chevaliers. Ouais, mais moi, frère, je faisais pas ça. Je faisais plutôt les chevaliers du Zodiac à l'époque. Tu sais, au Carrefour, je les mettais dans ma chaussette. Non, bien sûr. Non, mais frérot, moi, ce que j'ai envie de dire aux petits frères qui nous regardent, j'ai envie de leur dire, mais Hakallah, on n'est pas là pour vous faire la morale. Qui on est, nous, pour vous faire la morale? On vous fait pas la morale. Juste si on peut vous faire esquiver un peu plus de garde à vue. Si on peut vous faire esquiver des trucs de dingue, nous, on le fait avec plaisir. La tête de ma mère. Maintenant, le clip du petit sur les rails, Ray Yahmou, je peux que dire ça, frère. Tu crois que je vais le critiquer en disant, il est venu faire un clip dans... C'est qu'il a eu l'amour du risque parce que peut-être il a vu des gens plus haut placés que lui le faire. Ah non, je suis d'accord. Mais il n'y a pas que ça aussi, tu sais, Bassem, c'est qu'il y a aussi un truc, moi, qui m'agace dans cette histoire-là, c'est que ces mêmes personnes qui vont te dire, oui, c'est l'islam swag, c'est les premiers à vouloir te critiquer, et après, toi, tu leur dis, mais oui, mais toi, tu fumes, par exemple, ils vont te dire, ouais, mais toi, Bassem, tu fumes du Javi Javon, toi, tu fais ceci. Et alors, toute ta vie, t'as été irréprochable, ça me fait rigoler, quoi, tu vois. Je vais t'expliquer un truc, frérot. Déjà, merci de me parler de ça, hein, frérot. Déjà, je te remercie. Et de deux, mais tu crois quoi, frérot, c'est le jeu? Moi, je savais qu'en m'affichant, j'allais être exposé à ces commentaires d'hypocrites. Je l'accepte, frérot. Ici, c'est Sparte. Ouais. Je l'accepte. T'es pas d'accord avec moi? Il n'y a pas de souci, je te respecte. Dis-moi juste pourquoi t'es pas d'accord avec moi. Oui, parce que tu t'es pas un exemple, tu veux te faire passer pour un imam. La putain de tes os, c'est quel jour où moi, j'ai voulu me faire passer pour un imam. Donc ça, c'est tous les hiboux perchés à des branches. Ceux qui savent plus quoi dire. C'est les hiboux à percher des branches, parce que d'une part, ils sont à court d'arguments, frérot. Déjà, ça, c'est là où Adi et Wahda, déjà, ils sont à court d'arguments. Le fait que tu rassembles la communauté et pas la Ouma des caves, ça, c'est les fait chier. Parce que derrière, ils ont tous des petits représentants, tu sais. Et maintenant qu'il y en a un arabe qui essaye de s'élever par rapport à ça et qui essaye un peu de fédérer, parce que moi aussi, tu vois, je suis sur Paris, frérot. Et moi, ici, sur Paris, j'ai l'impression de gueuler tout seul dans le désert, quoi, tu vois. Et là, maintenant, je me dis, mais maintenant qu'il y a un frère, peu importe qu'il soit de Paris ou pas, qui nous fédère par rapport à tout ça. Et là, la seule chose que vous le trouvez à dire, c'est de vous critiquer. De toute façon, Bassem, c'est très simple, frérot. Et ceux qui te critiquent, c'est ceux qui se sentent concernés par ton discours. Et ça leur fait mal au cul. Ça leur fait mal au derrière, frérot. Khlas, il n'y a pas grand-chose à dire de plus. Ardim, je ne suis pas un critiqueur. Je constate. Moi, je leur dis tout le temps. Moi, il y a des gens qui m'appellent. Là, encore une fois, j'étais avec un frère Renoir au téléphone. Je parlais avec lui sur plein de choses et tout. Et il me disait, mais Bassem, aujourd'hui, tu n'as plus le droit. Tu n'as plus le droit d'être comme les autres. Pour certains, tu es vu comme une... Mais moi, je voulais pas tout ça. Frère, si j'avais voulu faire du buzz, Hakedin Islam, à l'heure d'aujourd'hui, avec les portes que j'ai pu ouvrir, mais que j'ai refusé, j'aurais été tout nu avec une feuille sur le zboub à Koh-Lanta ou dans les Anges. Mais moi, jamais, frérot. Jamais. La rue, le quotidien. Bien sûr que j'ai mes défauts. Bien sûr que je pars en couille. Mais les gens ne veulent retenir que cette partie-là. Mais c'est pas grave. Ouais, mais alors, Toute leur vie se sont bien tenues. Toute leur vie ont été réprochables. Moi, personnellement, je ne suis, et c'est là où je vais leur envoyer un message, je ne suis jamais autant fort que dans l'adversité. J'ai besoin. L'adversité, voilà. Les gens, ils me disent, oui, mais pourquoi tu fais tout ça? Pourquoi si? Pourquoi ça? Bassem, t'aurais dû avoir un discours un peu... Moi, il y a des mecs qui m'insultent, qui me voient dans la rue, me disent, frérot, j'ai envie de t'insulter, j'ai envie de regarder les débats avec ma femme et mes enfants, et t'insultes des mères, attends, à tout va, Bassem et tout, Hachem. Oui, mais frérot, pour en arriver à là, fallait passer par là. Fallait passer par toutes ces merdes. Même pour ça, Bassem, les insultes, c'est rien par rapport à ça. Non, mais il fallait se prendre par rapport à ça. Il fallait se prendre la tête avec des fakes. Il fallait aller voir les gens. Il fallait passer par là. Maintenant qu'on est passé par là, on n'a plus rien à prouver. Aujourd'hui, je suis assis, alhamdoulilah, je fais des débats avec vous, qu'on soit d'accord ou pas. Le but précis pour moi, il était là. Et ma stratégie, elle a duré 2 piges, frérot. 2 piges une tête comme ça en parlant à des fakes. Mais fallait passer par là. Maintenant, c'est bon, frère. On est clair. En tout cas, frérot, tu nous appelles d'où? De Paris, frérot. Paris, bah, capitale du vice. Non, pas capitale du vice. Il reste des vrais ragènes là-bas à Paris. Sauf que, bien sûr. Quand on parle de Paris, voilà, Paris, pour moi, ça doit donner.
L'exemple. C'est la définition même. Paris, c'est la définition même de l'islam swag, Bassem. Là, jamais tu verras image plus forte que ça. Je sais pas, j'habite pas là-bas, j'ai pas vu de mes yeux pour l'instant. Le jour où je verrai de mes yeux, peut-être. Moi, je te dis après, voilà, hein, l'islam, voilà, l'islam swag, c'est ça, c'est les dérives, frère. C'est qu'aujourd'hui, Roman, oh, écoute-moi bien, regarde bien. Ouais, Skyrock, le 27 mai, le premier jour du mois du Ramadan, Inch'Allah, tu vas avoir Romano, mangeur de sanglier, qui va te dire « Bon Ramadan à tous les musulmans !» Regarde les dérives de l'islam swag. On en vient jusqu'à là. Quand un rappeur, il tape le boule d'une meuf dans un clip et que dans la même musique, il te dit « Eri, Mashallah », c'est ça l'islam swag. Mais t'as aussi les voilés qui vont certaines... Booba, qui rappent, etc., tu vois. Quand certaines marques d'habillement sortent des camises climatisées moulants, bientôt on va avoir des camises YMCA en cuir. La tête de ma mère, ouais, bah ouais, merci de nous avoir appelé, bah, la femme. Prends soin de toi, parce que c'est... Pas de problème, frérot, et continue comme ça, en tout cas. Salam alaikum, mon frère, salam. Salam. Allô? Allô, salam. Alaykoum salam. Ça va ou pas? Bien, et toi, frère, tu nous appelles d'où? De Paris. Paris. Vas-y, frérot, je t'écoute. Ouais, je voulais te dire, ça parle de quoi, ce soir? Ça parle, c'est marqué en gros, en bas et en haut, frérot. Ouais, mais moi, frère, j'ai rien, moi, j'ai pas de trucs. Ça parle de l'islam swag. Frérot, ça parle de l'islam swag. Ah ouais, l'islam swag. Ou, parle-nous de ce que t'as envie. En tout cas, machin, hein, pour un frère qui n'a rien, qui n'a pas de périscope, t'arrives à trouver mon numéro, à m'appeler. Ouais, mais t'es un truc de ouf, frère, je t'appelle moi, ça fait 300 fois que je t'appelle là. Tranquille, frère. Vas-y, frère, je t'écoute. Ouais, donc. Non, moi, je voulais juste te parler d'un truc, parce qu'il y a un truc qui me choque là en ce moment. C'est, t'as vu dans les clips de rap là? Je vois des mecs, en fait, je vois des mecs. Vas-y, frère, laisse tomber. C'est des mecs, frère, c'est. Comment te dire? C'est des mecs, sachez qu'ils sont fait. Vas-y. Ils sont pris des trucs dans le cul, frère, et ils sont là, ils font les voyous. C'est-à-dire les rappeurs qui font des clips? Exact. C'est pas les rappeurs eux-mêmes, c'est des figurants, on va dire. Ah, les figurants, bah, mais pas presque, parce que les figurants, ils sont transcendés, ils sont emportés par le clip, ils sont... Est-ce que tu vois ce que je veux dire, frérot? Non, mais t'as pas compris, c'est des mecs... Il est proche du rappeur, quoi, tu vois. Ah, ok. Après, les rappeurs, moi, ils font ce qu'ils veulent, les rappeurs. Ils rappent, ils sont là pour rapper. J'ai vu L.I.M. il y a pas longtemps. J'ai vu, il avait fait un clip, il était en Gendoura, en Kamis. Ouais, mais lui, après, vas-y. Après, lui, je t'explique. T'as vu, L.I.M., je le connais très très bien, tu vois. Enfin, je le connais, j'ai des connaissances qui le connaissent. Vas-y, lui, frère, laisse tomber. À l'ancienne, ça va, mais vas-y, maintenant, il est parti en couille. Ah, après, moi, je le connais pas, L.I.M. Ouais. Moi, j'ai jamais parlé avec lui, je sais pas ce qu'il fait. Ça. Voilà, quand je connais pas, je ne dis rien du tout, frérot. Voilà, c'est tout ce que tu voulais nous dire, la famille. Non, vas-y, après, je voulais... Après, vas-y. Après, je suis d'accord avec toi. Mais... Et vas-y, après, voilà, je sais pas, moi. C'était juste pour te dire ça. Merci, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci, ça te choque. En tout cas, tu n'es pas le seul à être choqué. Et en écoutant leur musique et en partageant, on y contribue beaucoup, frérot. Ah, mais franchement, si tu savais, là, putain, tu pèterais les couilles. Non, oh, t'inquiète pas, je sais plus qu'il n'en faut. Salam alaikum, mon frérot, salam. Putain, je l'ai coupé sans faire respect. Smahli, frérot, smahli. Les numéros inconnus de Tel Aviv. Je vous ai dit, je réponds pas. Les Woody Woodpecker, là. Je réponds pas aux numéros privés. Merci beaucoup. Allez, hop. Ouais, aujourd'hui, maillot, big dédicace au frère Kardesh pour les soutenir dans le vote. Turquie. Allô? Oui, bonjour, Bassem. Oui, bonjour. Allô? Oui, allô, bonjour. Oui, bonjour. Oui. Donc voilà, je voulais te parler de plusieurs sujets. Donc, on va commencer par un mec qui est intervenu par rapport à... au fait qu'il était en couple avec une fille, et que, alors à ce moment-là, vous parliez de perversité. Donc, il s'agissait de sa femme, qu'il l'a quittée au moment où sa mère est décédée. Au moment où sa mère... Alors, rappelle-moi l'histoire, je ne me rappelle plus exactement. C'est un frère de Metz, je crois. Hein, c'est ça, je crois. Hein, un frère
qui nous a appelé, qui nous a dit, c'était quoi l'émission? Je ne me rappelle plus, wallah, vous... Bah, ça remonte déjà à pas mal de temps, donc j'ai écouté tellement de tes vidéos que je ne m'en souviens plus réellement. Mais en fait, lui parlait de la perversité, le sujet du débat, c'était la perversité. D'accord. Les pervers narcissiques, c'est ça? Les pervers narcissiques, exactement. Et moi, ce que je voulais dire, c'est que lorsqu'on entame un sujet, c'est toujours bien de savoir de quoi on parle. Parce qu'en l'occurrence, je trouve que les femmes, bon, dans ton émission, entraînent quand même pas mal dans la figure. Et ce que je voulais dire à ce monsieur, c'est que sa femme aurait été perverse au moment où lui s'occupait de sa mère quand elle était malade. Oh, alors écoute, je t'arrête direct. Là, tu me parles sur le mec qui a écrit un livre, hein, c'est ça? Non, il n'a pas écrit un livre. Ah d'accord, c'est pas la même personne, en fait, parce que là, j'aurais explosé. Hein. Non, c'est une autre personne qui a dit, je m'en rappelle. Il a dit que sa meuf, elle l'a quitté pendant que sa mère était malade. Oui, c'est bon. Non, il a dit en fait que sa meuf l'a quitté au moment où sa mère était décédée. Donc moi, ce que je voulais dire à cette personne, c'est que il n'était pas du tout dans une relation perverse, c'est seulement que sa femme avait l'intention, à mon avis, de le quitter depuis des années-lumière, mais que qu'elle a eu justement la présence d'esprit de le faire après que sa mère soit décédée. Qu'elle a quand même fait en sorte de l'aider quand sa mère était malade. Elle a été à ses côtés et puis je pense que lui t'a donné des informations sur le fait que lui n'était pas spécialement correct avec elle. Et ça, c'est une chose, en fait, que tu n'avais pas entendue. Et c'est pour ça que, moi, je t'appelle ce soir pour te dire que, sur certains débats, c'est toujours bien de connaître son sujet avant de l'aborder. Alors, qu'on soit clair entre nous. Moi, j'ai appris maintenant, dans les débats, parce qu'évidemment, tout est pervers, hein, j'ai appris que maintenant, quand il y a des gens qui viennent me voir en privé en me disant « Tiens, Bassem, j'ai envie de parler de ça, c'est ce qui m'est arrivé », je donnerai toujours la parole aux deux sons de cloche. Si elle me dit, d'accord, mon mec a été comme ça avec moi, je lui dis, donne-moi le Facebook de ton mec. Je lui dis, j'accepterai, d'accord, de parler de ton histoire que si lui, il peut intervenir. Deux sons de cloche, c'est bon, trop c'est trop. Les femmes, à les entendre parler, c'est toujours elle qui reçoit, c'est toujours elle-ci, c'est toujours elle. Je te garantis qu'il y a des mecs qui sont dans la panade et qui se font massacrer par leur meuf, psychologiquement. Oui, mais moi, je pense, Bassem, que c'est beaucoup plus rare. Tu vois, souvent, je t'entends parler des beurettes, en l'occurrence. Et c'est vrai que souvent, je trouve que le débat est mal orienté. Parce que, justement, on parle du problème de beurettes, en l'occurrence, avec les Noirs. Mais moi, j'aimerais savoir pourquoi, justement, la question qu'on devrait se poser, c'est justement pourquoi ces femmes-là ont une si mauvaise estime d'elles-mêmes que pour elles, l'issue, ce serait de devenir... des femmes de chicha ou... Alors déjà, je vais t'expliquer une chose. Une femme qui va avec un noir dans le halal, déjà, ça ne veut pas dire qu'une femme est avec un noir qu'elle a plus d'estime envers elle. Ça la regarde. Moi, je suis contre le métissage. Après, les gens, ils font ce qu'ils ont envie. Maintenant, moi, je le dis. Moi, je le dis tout le temps. Je le dis, s'il y a des beurrettes, c'est qu'il y a des beurrettes. Peut-être que si elle fuit, c'est à cause de notre comportement. Mais c'est pas sur ça, en fait, que je voulais... Oui, mais c'est pas sur ça que je voulais revenir, Bassem. Moi, je voulais que, justement, que tu parles d'un grand problème aussi qui est maghrébin. Moi, je parle des pays arabes, des pays du Golfe, qui ont fait des pays du Maghreb leur bordel. C'est vrai, on parle toujours des Africains. Mais excuse-moi, est-ce qu'on y habite au Maghreb, nous? Est-ce qu'on est concerné par ce problème-là? On est H24 en France. Non, alors, en attendant... Là où je suis d'accord avec toi. Par exemple, sur les Champs-Élysées, chaque été, tu vois pas des Saoudiens qui déambulent. L'avenue des Champs-Élysées. Les Saoudiens qui déambulent. C'est une réalité, Bassem. La réalité, c'est que l'offre et la demande. La réalité, c'est qu'il y a des putes et il y a des mecs qui payent. Ça, déjà d'une. Et de deux, si nous, Maghrébins, on arrêterait d'aller dans des endroits comme Dubaï, comme ça, tout ça parce que... Excuse-moi, j'ai pas fini. On va aller dans un pays où il y a l'Éden, on va être couvert par l'Éden. Mais le soir, on va tout niquer. C'est-à-dire, on va faire du haram dans un pays où c'est soi-disant musulman et on est couvert parce qu'on est parti à Dubaï. Mais Mykonos et Dubaï aujourd'hui, c'est exactement pareil. C'est nous qui contribuons à ça. Non mais moi, mais Bassem, moi je te parle pas seulement de Dubaï. Moi je te parle carrément de l'Arabie Saoudite.
D'accord? Parce que c'est vrai que dans les débats, j'entends les beurettes, dans les chichas, etc., etc. Mais, excuse-moi, le pays dans le monde qui prend justement comme bordel le Maroc, la Tunisie et l'Algérie, ou bien même la France, les Champs-Élysées, on va dire que c'est une annexe maghrébine au mois de juillet, excuse-moi, c'est bien les Arabes du Golfe. Et ça, c'est un sujet que tu n'abordes pas. Mais les Arabes du Golfe, qu'est-ce que je m'en bats les couilles des Arabes du Golfe? Moi, j'en ai rien à foutre. Je m'en fous de leur mouille, moi. Non, les Maghrébins, c'est ce qui m'intéresse. C'est pas le problème de s'en foutre. Les Arabes du Golfe... Alors, je vais t'expliquer une chose. Les Arabes du Golfe, qu'est-ce que tu veux qu'on te dise? Les Arabes du Golfe, ils sont comme ça. Moi, pour moi, je vais pas péter plus haut que mon cul. Je vais pas aller voir chez le voisin. Non, mais est-ce que toi, Bassem, tu penses que les Arabes du Golfe te considèrent, toi, Tunisien, comme leur frère? Est-ce que tu penses que toi, tu es leur frère? Alors moi, je vais te dire encore mieux. À aucun moment, je me suis posé la question de savoir si c'est mes frères ou pas. Je n'ai pas fini. Parce que franchement, je me suis pas posé la question, j'en connais pas, je vis pas avec eux. Pour moi, mes frères les plus importants, ils sont ici, là. Je m'occupe. Oui, c'est on parle d'eux. Le reste, je sais pas le reste. C'est pas mes. Ouais, mais c'est une réalité. Ouais, mais c'est quand même une réalité qui. Mais c'est une réalité de quoi, ma cousine? Le mec du golf, il arrive, il a 5000 euros en pourboire, il est là, il jette des billets. S'il y a des escrocs, c'est qu'il y a des pigeons. Et pourquoi les femmes, elles vont avec ces mecs du golf? Parce que finalement, ça reste des mecs halal, parce qu'ils sont musulmans. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Si. Non, moi, je suis pas d'accord avec toi. Après, c'est vrai que moi, j'ai une notion en ce qui concerne mes connaissances en islam qui ne sont pas de toute façon les mêmes que les vôtres. Mais bon, c'est pas un sujet sur lequel je veux intervenir parce que voilà, moi, je pars du principe que l'on parle de ce qu'on connaît réellement. Et c'est vrai que jusqu'à présent, les interventions que j'entends à la radio, bon, ce sont des interventions qui sont molles, hein. Parce que moi, ce qui me fait de la peine, en fait, c'est les femmes de ma communauté qui, chaque fois, appellent ta radio, ont comme habitude de dénigrer les femmes de leur communauté. Et ça, je trouve absolument aberrant. Maintenant, ce qui se passe, c'est que moi, j'aimerais te parler aussi... Attends, stop. Quand tu dis c'est aberrant, ouais. Là, je t'arrête. J'ai failli allumer... Bah oui, je trouve que c'est aberrant, parce que... Laisse-moi parler, Sébi. Tu peux me laisser parler. J'ai failli allumer mon buzz, oui, mais là, je me suis dit non. Quand tu dis c'est aberrant... Tu dis c'est aberrant quand j'entends des femmes. Oui. Tu nous dis c'est aberrant quand j'entends des femmes de notre communauté appeler et dénigrer les femmes de leur communauté. Non mais excuse-moi. Est-ce que tu penses à ces femmes qu'ils appellent, qui justement elles se sentent dénigrées au quotidien à cause de ces putes de beurettes? Elles ont droit d'appeler. Elles ont droit de dire que moi je mets un jean. Non, mais moi je te parle pas du tout de ça, Bassem. Non. C'est que naturellement que ce soit des... De toute façon, moi, je pars du principe que les femmes sont d'accord avec moi, ce que je m'appelle les beurettes, d'accord? Parce qu'en général, une vraie femme, en général, elle a son avis en ce qui concerne certaines choses. Moi, personnellement, je ne mets pas tout le monde dans le même sac. Je trouve que celles qui s'appellent sont consensuelles, en fait. Elles ont toujours tendance à être d'accord avec toi. Ça m'énerve et ça monte le seum. Voilà. Les gens qui disent... Non, en ce qui concerne... Écoute-moi bien. Non, mais il n'y a pas de Bassem. Ça fait 10 minutes que tu parles. S'il te plaît, tu la boucles. Un échange, c'est toi et moi. C'est pas que toi, blablabla. Tu parles et je réponds. Justement, je t'ai dit qu'il y a un cheminement. Pourquoi est-ce que tu parles pas, par exemple, sur la tête de ma mère? Écoute, tu vois la souris, tu vois là. Tu ne pas complète quand les beurettes, elles vont en Algérie ou en Tunisie ou au Maroc? Alors écoute-moi bien. Et bah, t'as leur cousin, t'as leur oncle qui les frotte. Voilà. Les meufs ont une. Ah, écoute-moi bien. Écoute-moi bien, rien. Je vais pas parler longtemps avec toi, regarde. Justement, les gens de leur communauté les rabaissent, d'accord? Les utilisent comme objet sexuel et ça, on en arrive là, totalement. D'accord, vas-y, fini. Bon, vas-y, c'est bon. Tu vois la souris qui a là. Merci de me laisser parler. Ce que je suis en train de dire, c'est que quand ces femmes-là. Elle me dit merci, tu me laisses parler. D'accord, quel est le cheminement sur la tête de ma mère? Ferme-la, écoute-moi.
Est-ce que tu vois la souris qu'il y a là? Si j'appuie dessus, tu parles plus. Donc boucle là. Arrête de faire la fimène, l'Amazon, ta Biden. Laisse parler les gens. Laisse parler les gens. En plus, regarde-moi, t'es blanc comme un cachet. C'est ce que tu voulais dire. Mais j'ai reconnu, t'es une cigarette. Allez, nique ta grand-mère. Allez, va. Oui, c'est l'Afrique. C'est l'Afrique. Va au Mali, au Sénégal, et Psartek et Pintamams. Elle est malade celle-là, là. Petite pute, va. L'autre, elle arrive. Elle est là, le Jacques, t'es le Jacques. Eh, Nikoumouk. Wallah. Allô. Allô, allô. 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 Oui, Salam. Oui, salam alaikum. C'est pour savoir s'il y avait possibilité de parler en live avec Bassem. Par contre, moi, je voulais parler sur un autre sujet, mais comme il y a plusieurs... Je vais te chercher Bassem, là, il va arriver. Merci. Voilà. C'est bon, il est là. Alors, vas-y, je t'écoute. Allô? Oui, je t'écoute. Eh ben, il est là, Bassem. Vas-y, je t'écoute. Allô? Allô, je t'écoute. Oui. Allô, salam alaikum. Alaikum salam. C'était pour savoir s'il y avait possibilité de parler sur un autre sujet, parce que plusieurs fois, j'ai essayé de t'appeler. Eh ben, vas-y, parle. Et tu veux nous parler de quoi? J'arrivais pas à t'avoir. En fait, c'est pour parler sur un sujet sur les femmes parents qui ont des enfants. Sur les femmes parents? Je voulais savoir... Sur les femmes qui ont des enfants et qui ont décidé d'arrêter leur activité professionnelle pour s'occuper de leurs enfants, bon. Et voir si, si toi, dans la communauté, t'avais des idées de ce qu'on pourrait faire entre nous, entre sœurs, pour pouvoir justement pour avancer dans l'expérience, dans le travail, etc. Mais tout en gardant notre temps pour nos enfants. Mais c'est super intéressant, ça. Sur la tête de ma mère. Moi, je pense que il y a beaucoup de femmes qui ont des parcours de vie qui vont loin à l'école. Et bon, après, celles qui vont loin à l'école, généralement, c'est pas pour rester à la maison. Bon, si elles ont de la chance de tomber sur un mari qui assume, qui a un bon salaire et qui peut évidemment faire vivre une famille sans que la femme ait travaillé. Eh ben, pourquoi ces femmes-là qui ont des compétences, pourquoi elles apprennent pas aux autres? Bah, tout à fait. C'est pour ça que je t'appelais, pour voir. Justement, parce que moi, je te dis la vérité, j'habite dans une petite campagne. On n'est pas énormément. Et j'ai essayé de mettre des choses en place. Malheureusement, ça marche pas. C'est toujours des faux plans, c'est toujours des choses comme ça. Moi, au jour d'aujourd'hui, alhamdoulilah, j'ai des compétences, j'ai de l'expérience dans le domaine du travail. J'ai travaillé pendant 10 ans en tant que responsable. Au jour d'aujourd'hui, je préfère me consacrer à mes enfants pour leur apporter une éducation, pour pouvoir être là au quotidien, les emmener à l'école, aller les chercher à l'école, etc. Au jour d'aujourd'hui, j'ai envie de faire quelque chose pour ma communauté, surtout pour nous entre femmes, pour qu'on puisse justement évoluer ensemble, se trouver un quotidien autre que rester à la maison, parce que je suis fière de rester chez moi, de m'occuper de mes enfants. Alhamdoulilah, ya Rabbi, j'ai un homme, j'ai rien à dire, j'ai un mari qui est formidable, c'est un père magnifique. Mais au jour d'aujourd'hui, en fait, j'aimerais apporter un peu plus à ma communauté, déjà, et même un peu déjà, plus à moi-même, à déjà, mon évolution personnelle. Déjà, je te dis franchement, déjà, Allah yahafdek, déjà pour penser de ça, que Allah te garde, toi et ton mari, toute la vie, vous êtes ensemble, Inch'Allah. Barakallah aussi. Oufik barakallah. Et ce que je veux te dire, c'est que si ton mari, peut-être, il accepte, peut-être qu'il y a d'autres maris de femmes qui n'accepteront pas que des femmes se retrouvent entre elles. Tu en as, ils ont toujours un esprit... ils seront réticents dessus, à tort ou à raison, parce qu'il y a des fois des femmes entre elles, c'est des vraies vipères, tu comprends ce que je veux dire? Et il y a des fois des femmes entre elles qui peuvent élever la communauté. Les hommes de chez nous, c'est vous qui les faites. Et si tout le monde penserait comme toi, oh, ma cousine, des fois je vais dans une mosquée turque, avenue à côté de chez moi, par Allah, j'ai honte. Quand je rentre dedans, je vois... C'est plus une mosquée, c'est un lieu de vie. Cours de couture pour les femmes. Salon de coiffure. Exactement. Et ben, au jour d'aujourd'hui, excuse-moi, il y a un grec. Il y a un grec. Il y a même une salle où si un frère il cherche une sœur, il la trouve. Nous, on se retrouve que pour DJ Hamida. Et ce qui va avec. Là, on se retrouve. Exactement. Mais eux, regarde, voilà. Et en fait, moi, j'ai posé la question à un daron turc.
À quoi ça sert tout ça? D'accord. Il dit, ben, nos enfants les emmènent du matin au soir. Ils se retrouvent là-bas et ils traînent là-bas. C'est un lieu de vie. Exactement. Eh ben, au jour d'aujourd'hui... Ouais, allô? J'écoute. Oui, oui. Oui. Au jour d'aujourd'hui, en fait, ce qu'il y a, c'est que moi, je me retrouve, bah, comme je t'ai expliqué, dans la situation où j'ai décidé de rester, d'arrêter mon projet professionnel pour m'occuper de mes enfants. C'est un choix. Mais voilà, ça va faire un an, en fait, où je suis dans la situation où, entre guillemets, je tourne en rond. Mon mari me dit de retourner travailler. Il y a aucun souci pour ça. Sauf que moi, je ne trouve, enfin, pour moi personnellement, après chaque femme à son opinion. Moi, au jour d'aujourd'hui, en tant que femme et en tant que mère de deux enfants, je me vois pas aller travailler, côtoyer le monde extérieur et délaisser mon chez-moi, délaisser l'éducation de mes enfants. Là où j'habite, en fait, j'ai essayé de mettre... Alors, est-ce que tu penses que, pour toi, en reprenant une activité professionnelle, pourrait nuire, de près ou de loin, à l'éducation de tes gosses? Je pense. D'accord. Je pense. Après, si c'est mon opinion alors, personnelle. Alors, excuse-moi. Si t'es persuadé de ça, travaille ouais. plus. Mais c'est ce que j'ai fait. J'ai arrêté de travailler. Sauf qu'au jour d'aujourd'hui, je reste quand même un être humain. J'ai travaillé quand même pendant 10 ans. Et au jour d'aujourd'hui, je me retrouve un peu dans une situation où j'ai besoin, moi aussi, entre guillemets, de m'épanouir. Pas forcément de côtoyer des gens, de sortir, de voir le monde, tout ça, je m'en fous parce que, alhamdoulilah, j'ai tout ce qu'il faut chez moi. J'ai tout l'amour, la découverte chaque jour, je l'ai chez moi. Sauf que, ben, on est des êtres humains et au jour d'aujourd'hui, ben voilà, je me réveille le matin, subhanallah, je prépare mes enfants, je fais le petit déjeuner, je m'avance le matin, je fais à manger pour le soir. Sauf que c'est un quotidien et je me dis, ben, on doit être plusieurs femmes à vivre cette situation. Donc pourquoi ne pas monter des associations, c'est peut-être gros ce que je vais dire, mais monter une entreprise où nous, en tant que sœurs, on pourrait faire les choses entre nous, se donner la motivation pour apprendre de nouvelles choses, pour nos enfants, pour plein de choses, pour les réunir entre eux, pour toutes ces choses-là. J'ai essayé de monter cette chose-là dans la campagne où j'habite, ben, sauf que Rabbi Smahli, mais ça revient toujours aux mêmes choses, et ben les gens ils n'ont pas de parole, et c'est toujours oui, on va faire ça ou on va faire ça. Les gens n'ont pas de parole, les gens ils n'ont pas envie, les gens ils n'ont plus envie. Ne t'inquiète pas, quand on veut, on peut. T'as un projet, il est monstrueux. Si seulement on pouvait appliquer tout ça, moi le premier, wallahi l'azim, moi je t'aide. Je fais de la pub et je fais. C'est pour ça, j'ai essayé de te contacter par privé. C'est là où excuse-moi, je me tue je à dire. La parole. Non, excuse-moi, moi. C'est là où je tenais à dire à chaque fois, Bassem, tu parles trop des beurettes. Eh ben, venez, portez vos couilles. Venez, on aide ces femmes-là. Venez, on leur montre. Venez, on leur montre qu'elles peuvent compter sur des hommes s'il y a des trucs à faire. Demain, dans son groupe, ça va se trouver. Il y a une sœur, elle est avocate, elle a arrêté de travailler. Elle pourra conseiller une autre sœur. Il y a une sœur, elle fait de la cuisine. Exactement, il y a une voilà. Autre. Mais non. C'est plein de petites choses vous, comme non. ça. Que pour les soirées, vous êtes là, vous. Putain. Voilà, et ben exactement. Excuse-moi, je te coupe la parole. Moi, justement, j'étais dans un domaine où j'avais des responsabilités, c'est-à-dire que je faisais évoluer des personnes, je les orientais, toutes ces choses-là. Comme tu dis, voilà, il y a des avocates. On a tout un domaine où on excelle, on a toute notre expérience. Et justement, c'est de prendre de chacun pour s'améliorer nous-mêmes et pour améliorer l'éducation de nos enfants. Excuse-moi, le monde dans lequel on vit. Tu t'appelles comment? Je m'appelle Salima. Ma sœur Salima, écoute bien. Je tiens la chronique depuis 1 an et demi. Wallahi l'adim. Et là où tu as raison et je te rejoins tout à fait, c'est que il y a une sœur un jour qui m'appelle, elle me dit, Bassem, j'ai des trous dans mon appartement, je suis dans le 9-3. Il y a des souris qui viennent, ils ont mordu mon fils et tout le reste. Vas-y, je suis allé sur la chronique, il y a un mec dans le bâtiment, dans le 9-3. 20 minutes après, il était chez elle en train de lui reboucher les trous. Ça peut aller très très vite. Exactement. Exactement. Et c'est pour ça que je me suis permise de t'appeler parce que j'ai essayé de te contacter en privé, j'y arrivais pas. Donc voilà, j'ai essayé de t'appeler et en fait, c'était pour savoir si toi, t'avais pas des solutions, enfin, si t'avais pas une. Peut-être une idée ou quelque chose, peut-être que moi je m'y suis mal prise dans mon projet, peut-être non. que. Non, moi je pense que pas déjà. Fait chose bien. Déjà, quand tu dis ta petite campagne, où est-ce que tu habites? J'habite vers Grenoble. J'habite à Saint-Jean-de-Soudun. Saint-Jean-de-Soudun, ouais, je vois où c'est. C'est entre Grenoble, voilà, la Host. Non, c'est entre. Je crois que c'est après Voiron, tout ça, là.
Exactement, c'est ça. Ouais. Bon, je connais les gens là-bas à peu près. Il n'y a pas beaucoup, il y a pas beaucoup, beaucoup de robeux. Après. Voilà, exactement. Ouais. C'est beaucoup une communauté de Turcs. Oui, oui. Et machallah, je ne les critique pas. Hein. Pour tous les Turcs qui sont sur la chronique, je ne les critique pas. Mais c'est une communauté qui sont très soudés entre eux, qui n'aiment pas trop se mélanger. Donc c'est vrai que j'ai plus orienté ma recherche vers des sœurs, vers des sœurs issues soit de l'Algérie, de la Tunisie, etc. Et malheureusement, Il y a des sœurs, elles ont que des grands frères. Il y a des sœurs, elles aimeraient bien se confier à d'autres sœurs parce qu'elles ont des petits soucis. Tout à fait. Et il y a des sœurs qui ont la vérité. Et il y a des sœurs qui ont vécu la situation de la sœur qui demande. Pourquoi elles ne parlent pas entre elles? Parce que nous, peut-être, on ne sait pas faire le trait d'union entre sœurs. Maintenant, alhamdoulilah, que la chronique, elle commence à grossir un peu, bien sûr, moi, je te soutiens à 200%. Quand je dis moi, c'est la horde sauvage, c'est tout le téménique, c'est tout. Demain, il vous faut des bureaux, il vous faut des locaux. Si vraiment ton... Moi, je sais que je ne doute en aucun cas, je doute de ta motivation. Mais là où j'ai peur, ma cousine, c'est comme ma prof de français, elle disait, c'est comme si tu pissais dans un violon. Ça va intéresser deux sœurs. Mais quand faudra bouger, il n'y aura plus personne. Ça ne les intéresse pas. Ce qui les intéresse, c'est les mariages swag, c'est les rencontres. Exactement. C'est ça qui les intéresse. Et ça, c'est la réalité. C'est ça. Mais voilà, c'est pour ça. Donc, je voulais te contacter pour voir si, dans la chronique, il y avait des sœurs qui étaient dans la même situation que moi, parce que voilà, après, j'en reviens à ça, quand je parle sur des groupes Facebook entre femmes, quand je parle avec mes propres sœurs à moi, que je parle avec... parce que malheureusement, au jour d'aujourd'hui, le mariage et le travail de mon mari a fait que je suis loin de ma famille, donc je me retrouve seule dans cette campagne, et en voulant essayer de connaître des gens, toutes ces choses-là, je me rends compte que c'est peut-être moi qui suis dans un délire bizarre, je sais pas. Moi, voilà, au jour d'aujourd'hui, je veux consacrer, entre guillemets, attends, ma vie à l'éducation de mes enfants. Excuse-moi, 30 secondes. Samy Montana, là, va regarder ce qu'il y a dans ton slip. T'es là, la tête de ma mère, un lynx. Il y a une chicha, il y a un frère qui est là, là. Viens montrer le doigt, là. Il y a un frère qui est là. Mais occupez de votre cul un peu, là. Putain de merde. Voilà, tiens. Bref, vas-y, finis. C'est super intéressant, ça. Donc après je te disais, moi je me retrouve dans une situation au jour d'aujourd'hui, j'ai dû quitter entre guillemets ma famille parce que le travail à mon mari nous a fait nous éloigner, etc. Et au jour d'aujourd'hui, voilà, je me retrouve dans une situation où je me sens un peu entre guillemets enfermée, où voilà, j'aimerais bien faire connaissance avec d'autres sœurs, apprendre certaines choses, que ça soit dans la religion, que ça soit dans la vie actuelle, dans l'éducation de nos enfants. Tu vois, c'est tout bête, par exemple, il y a le Ramadan qui arrive, on est pleine de sœurs avec des enfants, nos maris travaillent, ne serait-ce que se faire des après-midi où on prépare le ftour ensemble, à s'échanger des recettes, à partager plein de choses, l'éducation de nos enfants. Moi, je vois au jour d'aujourd'hui, Rabbi Subhanou, j'ai eu la chance d'avoir deux filles. Je veux leur apporter la meilleure éducation, je vais essayer de leur donner l'éducation que mes parents m'ont donnée et leur apporter la meilleure éducation, sauf qu'aujourd'hui on vit dans un monde où c'est du superficiel, c'est le match vu, c'est de la consommation, c'est de la télé-réalité, c'est toutes ces choses-là. Au jour d'aujourd'hui, moi c'est pour ça que j'ai arrêté de travailler, pour justement ne pas mettre mes enfants, mes filles dans ce moule-là. Je veux au maximum leur apporter l'expérience de la vie du dehors, de pas les laisser devant la télé à rien faire, de les emmener à l'école arabe, de les emmener au parc. C'est tout con, aller voir les fermes, aller voir les chevaux, toutes ces choses-là. Et les frères, vous osez dire qu'il reste pas des filles bien? Ah ouais. Alors moi, je vais t'expliquer une chose. Mon mari, au jour d'aujourd'hui, il travaille. Au jour d'aujourd'hui, alhamdoulilah, il travaille. Et je pense que on est beaucoup de sœurs dans cette situation-là où nos maris travaillent le week-end. Je dis pas c'est bien, on sort avec nos maris, on profite en famille. Mais voilà, c'est pas tout le temps. Les week-ends, nos maris ont besoin de se reposer. Ils ont peut-être envie, des fois, de rester à la maison devant un match de foot. Ne pas forcément, même si ça leur plaît ces moments-là, ne pas forcément tous les week-ends sortir. Et je me dis, de monter des choses comme ça entre sœurs avec nos enfants, sans polémique, sans histoire, tout dans la bonne enfance, dans le niya en fait, pour son bien-être à soi et son épanouissement et celui de nos enfants, je me dis mais c'est tout bête. Enfin, on est combien de femmes à être toutes seules chez nous la journée parce que notre mari il est à la maison, nos enfants ils sont à l'école ou à la crèche ou peu importe. Là regarde c'est les vacances,
ben, je connais personne autour de moi, je vais sortir mes enfants parce que voilà, c'est pas parce que je connais personne que je vais pas le faire. Mais je me dis, si on était plus solidaires que ça entre nous, si vraiment on faisait les choses correctement entre nous... Non, en fait, regarde bien. Regarde, nous, on est comment? Ma sœur Salima, moi, j'ai rien contre toi. Mais là, je viens de voir un commentaire d'un fils de lâche, c'est un robeux, hein, qui ouais. vient dire, mais comment les gens osent poser leurs problèmes avec Cher Bassem? Donc là, nous avons l'exactitude que l'arabe tire sur l'autre maghrébin. Au lieu de dire « Machallah, bonne idée », non, ils viennent critiquer ces robeux fragiles. Peu, allez, tu mérites que je te sors mon paf, la tête de ma mère, la putain de... Alors, je vais t'expliquer une chose. T'habites dans le 38, je connais beaucoup de sœurs à Grenoble, à côté. Je pense qu'il y en a qui seront ravis, ne serait-ce que de te rencontrer. Et moi, un jour, j'aimerais que ton mari et toi, on se rencontre un jour, Inch'Allah. Que je lui serre la main en lui disant « T'as une femme, eh ben une vraie. » Barakallahu fik, la yhafdik, la yhafdik. Wallahi l'alim. J'en ai eu des frissons, la yhafdik, ouais, merci beaucoup. Franchement, faut une association comme ça, mais bien... Mais moi, les gens, tu vois, ils m'énervent. Quand ils parlent de rassemblement, ils parlent tout de suite de administrative. Oui, il faut créer une association. Non ! La chronique nous montre qu'on n'est pas une association, on aide les gens. Exactement. Il n'y a pas besoin de passer par une assonce de... Voilà, après, s'il faut, moi, comme je te dis, tu vois, je suis Nia, après, si les gens, ils sont réglo, moi, s'il faut, les rassemblements, on les fait chez moi, je m'en fous, j'ai rien à cacher. Je fais vraiment ça pour mon bien-être et pour le bien-être de mes enfants. Si demain, il faut qu'on se rassemble entre femmes chez moi, mon mari respectera la chose. Les heures où mon mari, il est au travail, il n'y a pas de souci, on peut faire ça chez moi avec les enfants. Après, voilà, il n'y a pas besoin d'association, rien. Après moi c'était juste pour savoir si t'avais des pistes, si t'avais des renseignements. Des pistes, si je sais moi pas. Je sais que je suis en train de regarder mes messages, hein. Je sais qu'il y a déjà des femmes qui viennent vers moi et qui me demandent qui seront intéressées. Après toi, ce qu'il faut que tu fasses, c'est que par exemple, tu te donnes une date en disant voilà, j'aimerais bien faire un premier rassemblement. Notre objectif c'est pendant le mois du Ramadan et pourquoi pas chacune. Un jour, on se retrouve, chacune montre une spécialité de ce qu'elle a fait, on se la fait goûter entre nous, on apprend aux autres sœurs à cuisiner, bien sûr. Exactement. Mais aujourd'hui, on leur apprend à faire des duck face. Ils sont plus intéressés. Moi, ma sœur, t'as une idée. Wallah, c'est une idée de génie. Mais malheureusement, c'est comme sur Internet. Les gens ne sont intéressés que par les clashs, que par le kohib, que par le hem. Un frère, il va faire un rappel. Sur Facebook, il aura 2 likes. Une sidaïque, elle va montrer son boule. Elle va avoir 6000 likes. Qu'est-ce que tu veux qu'on dise? C'est vrai, c'est vrai. C'est... Laïdina, qu'est-ce que tu veux dire? Il n'y a rien d'autre à dire. Laïdina, c'est tout ce qu'il y a à dire. D'accord. Tout ce que j'ai à dire. Mais Inch'Allah, on essaiera, je sais pas, Wallah, moi, je te... Essaye de m'envoyer un message en privé en me disant que c'est toi qui m'as appelé. Comme ça, Inch'Allah, Wallah, il a vu, on s'occupe de ça. J'essaye de te mettre en relation avec des filles qui sont de Grenoble ou du côté, ou même des Lyonnaises. Elles seront capables de venir te voir avec plaisir. Je connais les filles de chez moi. Je connais les filles de chez moi. Elles viendront te voir avec plaisir. Et Wallah, on te soutient, sache, à 100%. Si même t'as besoin, je sais pas, un jour, vous voulez faire un repas et tout le reste et tout. Si t'as besoin de bras, ton mari, il est pas tout seul. Nous, on est là. Barakallahu fik. Barakallahu fik. Tu... Aïchik, tu m'envoies un message, voilà. Hein? Il n'y a pas de souci, je t'envoie un message tout de suite. Je t'envoie un message tout de suite, je te dis que c'est moi, Salima, et voilà. Tu m'envoies un message sur le profil où il y a la vidéo qui est en live, là. D'accord, pas de souci. Ok, ça marche. Merci d'avoir appelé. Barakallahu fik. Et merci d'être comme t'es. Et encore, Mashallah, pour tout ce que tu fais pour la Ouma. Et voilà, que Dieu te préserve. C'est grâce à des gens comme toi. Brahim Slim, nique ta mère, sors. Vas-y, enlève-le. Non, c'est grâce à des gens comme toi qui soutiennent que, alhamdoulilah, on arrive à faire des choses. On essaye, bien. Si on n'est pas son prochain, si on n'est pas solidaire entre nous, c'est personne qui le fera pour nous. Il n'y a pas de souci. Prends soin de toi. Salam alaikum, ma soeur. Salam, salam. Barakallahu fik. Salam alaikum. L'autre, il me dit, tu vas la chenéliser en pivé. Fils de lâche. Il a été jeté, lui? Impeccable. Bon. Wallah, applaudissez la sœur. 10 sur 10. Allah yahabdik, Wallah. Allô? Allô? Bon, vous.
coupez pas vos lives. Voilà, je raccroche. Allô? 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 Salam alaikum. Alors moi, je fais pas partie du débat, j'aimerais parler du drame familial. Je t'écoute. Est-ce que c'est le drame familial ou pas? Un drame familial? Ouais. On a tous eu des drames familiaux. Après, il y en a, qui ont plus de drames que d'autres. Oui, comme tout le monde dans la vie, tout le monde. Mm. Un drame familial chez les musulmans. Un drame familial chez les musulmans. Eh ben, explique-toi. C'est une chose que tu vis, c'est une chose qui t'est arrivée? Ouais, je pense. Après, j'appelle du premier coup, j'y arrive du premier coup. Donc, je sais pas si c'est un coup de chance ou pas. C'est pas un coup de chance, on va dire que voilà, hein, tu appelles, hein, tu réussis à tomber. Ouais, bah maintenant que t'es là, parle-nous de ce que t'as envie. Alors, comment dire? Essaye de parler plus fort après. Ah, elle a raccroché, bon bah écoute, je sais pas ce qui s'est passé. Elle est chelou elle, je sais pas. Attends, bouge pas, parce que là, c'est des trucs de fou. Parce que la première, elle est au Hebs. Mais non, je pense pas qu'elle est au Hebs. Non, mais après, c'est vrai, hein, les drames, femmes, c'est vrai. Allô? Ouais. Allô, Salem? Allô? Ouais, tu m'entends? Ouais. Ouais, salam alaikum. Alaikum salam. Alaikum salam, frère, je t'écoute. Allô, c'est Makarov Mehdi. Qu'est-ce qu'il dit, Mehdi Makarov, le 9-4? Le 94. On est là. Là. On est là, frérot. Ils sont là, Mehdi. Attention, hein. Barbeuk, t'es à la West Coast, hein, frérot. Hein. Ah, frère, ouais, on apporte que le barbeuk, nous. D'accord, on est d'accord. Tu m'as dit, je viens. Mais frère, bonhomme ou pas, tu sais, frère, je parle. Je te connais depuis une fois, y a pas deux. Je te connais depuis l'an 2013, mon frérot. Voilà, Makarov, Mehdi. Non, mais laisse, frère. Je t'écoute, la famille, je t'écoute. Non, mais parce que tu sais quoi, je vois que ça appelle, t'as vu, t'as mis un titre, et ça appelle de, je sais pas, ça raconte ce que veulent les gens, quoi, je sais pas, t'as vu. Tu sais, quand tu parles d'islam, toi, tu parles de quoi exactement? En une phrase, résume-moi, c'est quoi? En fait, l'islam soit, je l'ai découvert sur Facebook. Ouais, moi aussi, ouais, bah ouais. Attends, l'islam soit, j'ai commencé à le découvrir quand les gens ils font des photos. Ou par exemple, un jour j'ai partagé la photo d'un mec qui est en camis avec un survêtement, il fait voir le Bayern de Munich à côté, il a un bonnet Gucci, horrible. Il est assis et il shahed. Et les gens ils disent « Ah, machallah, machallah », ça c'est de l'islam swag. Tellement l'islam swag a été poussé à son paroxysme, même Ilan Mojito dit l'autre, là, il s'appelle comment là, je me rappelle plus de son blaze là, Amin Mojito, Ilan Magnero, il est parti faire un snap dans une mosquée en sortant de boîte. Et les gens, ils s'entretuaient sur la photo en disant « Ça va se trouver, il a trouvé le droit chemin. Il a trouvé les bains douches. Il a trouvé Sodome et Gomorre, ce mec-là. » Et les gens, ils osent le défendre. Alors, tout, on sait que c'est commercial. C'est ça, l'islam soit. Ouais, bah non, mais c'est sûr, ça. Ouais, je sais. T'as Wallah, c'est ça. Aïe, je l'ai coupé sans faire exprès. Mehdi Makarov, smahni, wallah, je t'ai coupé, mon frérot. Ah, putain, j'ai voulu appuyer sur Mehdi, smahni, wallah. Allô? Allô, salam alaikum. Alaikum salam, frère. Ça va? Bien, et toi? Alhamdoulilah, je t'écoute. Le débat, c'est l'islam swag, c'est ça? L'islam swag. Parce que moi, je viens d'arriver. Ouais? Tu viens d'arriver d'où? Dans le live. Ah, tu viens d'arriver dans le live, tu me dis, je viens d'arriver. Ouais, tranquille, on dirait, je t'ai demandé à Haja. Non, j'ai rien vu, moi, je viens d'arriver. Non, parle-nous de ce que t'as envie, frère. Ouais, tranquille. J'ai une anecdote par rapport à l'islam swag, justement. Il n'y a pas longtemps, tu vois, moi, je suis en dernière année du lycée. Inch'Allah, je passe le bac cette année. Inch'Allah, que tu l'as avec mention, mon frérot. On fera des doigts pour toi. Mais attention. Inch'Allah. Mais attention.
Il n'y a pas de fumée sans feu. Si tu révises pas de l'année, si tu rates les cours, tu préfères aller au KFC et deux jours avant, et deux jours avant les examens, tu fais des hackers supplémentaires, ça va jamais marcher, mon frérot. Tu vois ce que je veux dire? Eh ben regarde, non, l'islam swag, c'est les gens, le jour du bac, hein, hop, de hackers juste avant les... Non, j'en ai... Non, vas-y, frérot. Bah, c'est par rapport à ça, voilà. Il y a une fille dans ma classe, une voilée. Elle s'est fait prendre son téléphone par le prof. À la fin du cours, tranquille, je sors. Elle vient, elle me demande mon téléphone pour appeler sa mère ou je sais pas quoi. Toi, je lui donne mon téléphone normal. Et là, ça y est, j'étais choqué. Comment elle parlait à sa mère, starfallah al-adim. Elle lui a dit, 17h, t'es devant le lycée. Sur le Coran, t'es devant le lycée, 17h, tu viens me chercher mon téléphone. Elle ressemble à quoi, sa mère? Voilée. J'aimerais bien la voir, moi. Non, mais le pire, c'est sa mère. Le pire, c'est que sa mère, 17h, elle était devant le lycée. 17h, elle était devant le lycée pour récupérer son phone. Elle lui a dit, je m'en fous, t'es au travail, 17h, je te veux devant le lycée, c'est une voilée. Putain de merde. Elle a des... Déjà, si elle respecte pas ses parents, qu'est-ce que tu veux qu'elle aille mettre le voile? Non, mais moi, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, le voile, alhamdoulilah qu'elles ne sont pas toutes comme ça, mais j'ai l'impression qu'aujourd'hui, c'est plus appartenir à une caste. C'est-à-dire, une fois que j'ai fini toutes mes casseroles, je me voile pour me racheter une conduite. C'est vrai, voilà. C'est pour voilà ça que moi, je me demande qu'est-ce qu'une femme non voilée fait avec une femme voilée quand elles prennent le bus ensemble. Parce que il y en a une qui a le voile, l'autre elle a pas le voile, mais elles ont les mêmes leggings et les mêmes Adidas Superstar. Qu'est-ce qui se passe? Voilà. Moi je vais en ville. Quand je vais en ville, je vois des voilées avec des beurrettes, je me dis mais c'est quoi ça? Mais le Maghreb il a sombré. Le Maghreb il a sombré il y a bien longtemps, frérot. Voilà, il a sombré. Et le pire, c'est les gourds après, les gaoulis qui se foutent de ça. Ils se disent, ils entendent une voilée comme ça par la Sadar, qu'est-ce qu'ils vont se dire? Eh ben écoute, à cause de cette dérive-là, c'est pour ça qu'il y a des rubriques dans les films porno, femmes voilées. Et ouais. Exactement. Avant, il n'y avait pas ça, exactement. Avant. C'est devenu un fantasme maintenant. Il y a aussi autre chose, frère, je rentre à la mosquée, c'est un délire, c'est un truc de ouf, je vois des gens, des pulls Philippe pleins, avec des têtes de mort, des coupes, Starfallah Adim, je sais pas, ils sortent d'où. Voilà, tu vois, moi je juge pas les gens, ils vont à la mosquée, ils font la prière, alhamdoulilah, mais après, un minimum de tenue. Un minimum de tenue, mais eux te diront, ils se prosterneront quand même, quoi. Ouais. Tu vois, eux, en attendant, ils vont faire la salate à la mosquée. Moi, je la fais chez moi. Des fois, je la rate. Ces gens-là, peut-être qu'ils sont mieux que moi au niveau d'hymne. Mais c'est vrai qu'ils ont des habits qui sont incompatibles, frérot. La vie de ma mère, moi, comme je l'ai dit dans une de mes vidéos, tu rentres à la mosquée maintenant, c'est le vestiaire de la Ligue des Champions. Hein, il y a toutes les équipes par poule. Il y a toutes les équipes par poule. Les mecs, ils font la salade. Derrière, c'est marqué Messi. Ils shahed avec la croix du Real de Madrid. Avec une croix. Voilà quoi. Ça, c'est un délire. Bref, en tout cas, merci de nous avoir appelé, frérot. Ça m'a fait plaisir. Merci, ça m'a fait plaisir aussi. Salam alaikum, frère. Allô? Allô, allô? Allô? Allô, Salam. Ouais, c'est Mehdi, ça. Ah, Mehdi Smahli, c'est moi qui ai fait Pierre Richard. J'ai appuyé sur la souris. Excuse-moi, frérot. Non, mais allez, c'est pas grave, tranquille. Mais allez, c'est pas grave, tranquille. Ouais, je te disais, donc, on parle donc de l'islam swag. Et wallah, subhanallah, aujourd'hui, j'étais avec un pote. Il était sur son Instagram. Bref, je vais pas dire c'est qui la personne très connue sur Paris. Elle est quand même connue, ça, Lazar Massef. Ses fans, etc. Et en fait, là, il est parti à la Mecque. Tu vois? T'entends? Oui. Il est parti à la Mecque. Wallah, il m'a dit get. Et je regarde les photos, et le mec, il se prend, tu sais, avec la Kaaba. Non, mais wallah, les gens, je comprends pas, en fait. Le mec, quoi? Il se prend en photo avec la Kaaba derrière. Ah, ouais, on va dire que maintenant,
C'est vrai que pendant les pèlerinages, il y a des Samsung, il y a des iPhone 7. Après, on se fait tous une photo devant la Kaaba. Ouais, c'est vrai que ça fait partie aussi de... Mais après, Mehdi, on va dire que ça fait partie de l'islam sunni. Ouais. Mais Mehdi, avant, à l'époque de nos darons, il n'y avait pas tous ces téléphones. Peut-être que s'il y avait tous ces téléphones, nos darons, les premiers, auront pris des photos. Je préfère qu'ils prennent des photos à la Kaaba, oui, qu'ils prennent des photos avec, oui, des lépreuses au Moonroof. Hein, frérot? Oui, je te comprends, c'est possible, mes frères, t'as vu? Je vais pas faire le moufti, je vais dire, ouais, non, oula, le savant, ouais, non, mais mes frères, là, quand même, c'est quoi, tu vas là-bas? C'est pourquoi? C'est pour plaire à Allah, tu vois ce que je veux dire? Ouais, c'est pour avoir l'agrément d'Allah, subhanahu wa ta'ala, tu vois? Tu vas pas là-bas pour prendre des photos, pour faire plaisir aux gens, ou pour plaire aux gens, tu vois ce que je veux dire? Mes frères, Mehdi, Mehdi, tu suis la chronique, ouais. Il y a deux jours, j'ai partagé, ça y est, l'impensable est arrivé. Ils ont clippé dans une mosquée. C'est vrai. Ils ont clippé dans une mosquée. C'est fini. Ça y est. Si, c'est vrai. Et d'ailleurs, j'aimerais revenir sur les hijabeuses. Les pires hijabeuses de France sont les lycéennes. Toutes les petites reines à culottes, là. C'est vrai. Qui ont des voiles décapotables au lycée. Ça, c'est vrai. C'est elles les pires. Les hijabeuses du lycée. Si, c'est vrai. C'est elles les pires. Wallah, rien. Bref. Hey, t'as vu, moi je suis de Paname. Mmh. Hey, t'as vu, moi je suis de Paname. Frère, quand je suis en voiture, voilà, des fois quand je marche autour, quand je dois faire un truc, et voilà, mais Aoudoubillah, je vois des sœurs, même des hommes, t'as vu, quand ils sont pas ça, frère, hein, voilà, ils dégoûtent. Hein, de montante, avec des sorelles slim, chelou, avec un tamis, frère, le Jomoura. Mais voilà, non, mais c'est que c'est affreux, hein. Des coupes, les footballeurs. Les meufs, c'est un délire, frère. Des fois, elles sortent de la mosquée. Mais comment, frère, tu peux t'habiller comme ça? Wallah, c'est vrai. Aujourd'hui, hein, t'as vu, moi, Karamchak, t'as vu, moi, je suis de Paris. Frère, je vais pas te dire, voilà, quoi. Paris, c'est, laisse tomber, c'est, Babjahannama, mon frère. Wallah, c'est les portes de l'enfer. C'est quoi? Et des savants, ils le disent, hein. Mais bon, ça, t'as vu, c'est un peu partout, dans le monde. Bref, parce qu'ici, c'est très concentré, c'est la capitale Zarama, etc. Bref. Mohim, mais wallah, aujourd'hui, hein, comme t'as dit, c'est quoi, moi, plus rien ne me choque. Wallah, c'est vrai, mais quand même, t'as vu, moi, je parle, c'est parce que je sais que là, il y a du monde qui écoute. Wallah, le djinn, faut pas mélanger la religion par rapport à la mode. Frérot, pendant le, mois, vois, du Ramadan, pendant le mois du Ramadan, je connais un mec, il allait dans une chicha sur Lyon. Tu sais ce qu'il m'a dit? Le mec qui tient la chicha, je le connais, moi. C'est un bon sahab à moi. Ouais. Tu sais ce qu'il m'a dit? Il m'a dit, pendant le mois du Ramadan, dans la chicha, il n'y a pas de musique, mais après le maghreb, on se voit tous et on parle. Alors moi, ça me fait penser à des soirées où ils préparent l'orgie qu'il y aura le jour du Eid. Moi, il y a une chose, là on va arriver pendant le mois du Ramadan, il y a une chose moi qui me fait rire, c'est que plus les jours du Ramadan passent sur Facebook et sur Internet, et plus les gens ils relâchent. Alors attention. Les trois premiers jours, ils vont tout changer leur photo de profil. Ils vont mettre. C'est vrai, mais on connaît, frère, on sait, voilà. Toi et moi, on a vu ça. Voilà, on a vu. Toi-même, on tu sait. Sais. Parlons de ces bagras qui vont être affalés dans le canapé, là. Ces vaches Milka, là. Ces Khemja, elles vont être dans le fauteuil toute la journée. Dès que leur mère, elle va poser la table, elle va faire une photo. Sahaf Touruk! Peu Ali, crasseuse! Wallah, il a dit. Attends, Vincent, non, voilà, t'as vu, là, on est énervé, mais wallah, tu sais quoi, je vais rigoler un peu. On va rigoler un peu. Non, mais wallah, pendant le Ramadan, t'as vu sur les Facebook, là, mais qu'est-ce que je tape des barres, moi, wallah, avec les photos? On dirait, Zama, c'est qui a la plus belle table? Mehdi Smahni, pendant le Ramadan, nous avons le FBI. Fédéral Bureau of Islamique de Facebook. Celui où quand tu vas insulter une mère, il va te dire, bah tu peux aller manger, hein. Eh, ferme ta gueule. Ouais, oh non, c'est là, oh, c'est là, ça coupe de pied de biche. Ah non, c'est pas possible. Attention, frérot. Et nous avons ceux qui changent leur photo de profil pendant le mois du Ramadan. Tu verras, ils vont attendre que le 27e jour, la nuit du destin passe, et ils vont commencer à faire des publicités pour des soirées spéciales Eid. Spécial, attends, je peux pas comprendre. Moi, le jour du Eid, je vais rendre visite à ma famille, je vais à droite, je vais à gauche, mais eux, non. Soirée spéciale Eid, bande de fils de pute. Je vais te raconter un truc, je l'ai vécu. Ça fait 2-3 piches, par Allah que c'est vrai. Allah en est témoin, je l'ai vécu de mes yeux.
Attends, je dis chez moi. Attends, Mehdi. Smahni, je te laisse finir ça. Hakkallahi l'adim. L'année dernière, pour le jour du Eid, il y avait une affiche où c'était il y a une paire de Louboutins à gagner. Et en bas, Smahni. Smahni. Et en bas, c'était marqué buffet froid, halal. Abus de l'alcool est dangereux pour la santé. Il y aura de la charcuterie halal et du pinard. C'est ça. C'est un truc. Ouais, c'est comme il y a des restaurants, ils disent Ahmad halal, ils vendent du colal, de l'alcool. Jamais de la vie, je mange là-bas, moi, mon frère. Bref, moi, attends, juste pour venir, voilà un truc, tu sais quoi, que j'ai vécu. En parlant de ça, de soi, de ceci, le ramadan, l'ambiance avec. Et j'étais chez moi, il y a deux, trois piches, et il y a un poteau à moi, appelle, il me dit, ouais, vas-y, c'est quoi, je dois aller voir mon cousin, t'as vu, il travaille dans un endroit. Est-ce que tu veux venir? Je lui dis, vas-y, c'est où? Il me dit, ouais, t'as vu, il travaille dans une chicha, il doit récupérer des clés. Je lui dis, bah, vas-y. Donc, il fait quoi? Il vient, on part en bécane, etc., on arrive, et avec, on va aller au Tarawih. Je lui dis, vas-y, bon, on y va en balle, puis après, on va au Tarawih. Il me dit, ok. Parle, wallah, ce soir-là, frère. J'étais choqué. Le parking, c'était sur les quais, dans 94 à Évry. Frère, on devait aller à la mosquée après. On arrive, par Allah, c'est vrai, j'arrive sur le parking. On arrive en bécane, il me dit quoi? Il me dit, c'est là. Je lui dis, c'est quoi ça? Et oula, jamais de ma vie, moi, j'ai mis les pieds, tu sais, là-bas, là, parce que là-bas, c'est, laisse tomber, bref, c'est un bordel. Et j'arrive, frère. Il descend de la bécane, je dis, c'est quoi, dis-moi, je suis là. Je rentre pas dans le parking. Eh, frère. Une queue de... T'as vu, t'as la CAF. C'est le queue de la CAF, là, où il y a 100 personnes. Par Allah, pareil, mon frère. Que des robeux. Moi, la frérot... Plus, 90% qui est... Moi, frérot, j'ai envie de parler d'une chose en vrai. Ça, à la rigueur, on s'en bat les couilles. Mais moi, j'ai envie de parler d'une chose, Mehdi. Au-delà de ces soirées de merde, viens, on parle des centres commerciaux. Moi, il y a une chose que j'arrive pas à comprendre. Moi, le premier, pendant le mois du ramadan, wallahi l'adim, je préfère aller me faire casser le bras par un Tunisien pour une mayonnaise à 3,50€, il me la vend 10 boules, que aller à Auchan et à Carrefour, où plus gros hypocrite que ces fils de lâche, tu trouves pas. Oh frère, en temps normal, nos produits à nous, ils sont où? Ils sont entre un pneu de poids lourd et des tampons nana. Normalement, tu cherches de la viande halal, c'est entre des tampons et c'est entre des liquides de refroidissement. Pendant le mois du ramadan, Nick Zepi, tu rentres au champ, tu vois des mélissandres en train de danser devant des chameaux. Tu vas le stand salam alaikum. Il y a Roger, le pédophile qui a des barouches. Non, frère, wallah. Oh putain, Vincent, tu m'as tué. Oh, mais c'est vrai. Wallah, c'est vrai. Et nous, on tombe dans le piège et on va acheter chez eux. Boycottons les hypermarchés. Même si c'est moins cher. Frère, regarde. Wallah, je préfère acheter. Je suis un robeux dans un truc. Même il m'a rajouté 10 balles. Bismillah, c'est pas grave. Wallah, c'est malade, quoi. C'est ça qu'il faut faire, wallah. Moi, je vais acheter chez un black muslim. Chez un pack. Je vais acheter chez un robeux. Pendant le mois du ramadan, je donne rien à Carrefour ou à Auchan. Pinez vos mams. Je donne aux gens. Voilà. Mais ils prennent pour des cons, quoi, frérot. Attends. Mais c'est ça. Les musulmans, c'est comme ça qu'il faut qu'ils pensent. Chaque musulman, c'est comme ça que chaque personne doit penser. Mais après, t'as vu, hein. Va faire le travail, t'as vu, c'est rien de. Tu vois, après, comme une fois, je t'ai déjà dit. Une personne, frère. Une communauté. Faut que la personne elle se songe elle-même déjà après pour faire l'effort sur les gens, tu vois ce que je veux dire. Mehdi, tu te rappelles la vidéo à Lidl? Je crois que c'était, je sais pas si c'était à Nice, je me rappelle plus. 1€ le bidon d'huile. Il y avait des mères de famille qui étaient partout. Ouais, je me rappelle. Ouais, le mec qui ramenait les palettes, il disait, mais Allah, il a dit qu'on en a plein. Battez-vous pas. Je me rappelle de ça. Je me rappelle. Ça m'était aidé. Allô. Attends, excuse-moi. D'accord. Alors, il y a une sœur qui me dit, pour tous les Lyonnais, hein, Auchan sur Caluire, pendant le mois du ramadan, ils avaient fait une tente à l'extérieur.
ça voulait dire carrément on veut pas vous voir dans le magasin. Allez sous le chapiteau où il y a Aladdin, où il y a Aladdin, des charmants, des serpents, la tête de ma mère. C'est impossible, non mais. Voilà, c'est impossible, non mais, une tente, frère. La tête de ma mère, un chapiteau. T'as vu les chapiteaux pour vous dire restez là-bas. Ouais, je vois, je vois, ouais, je vois, je vois, je vois. Donc moi je te dis. Ouais, mais hey, frère, de toute façon, eux, eux, ils font tout faire pour faire de l'argent. Hein. Ils font tout, ils sont prêts à tout, ces gens-là. Wallah, c'est vrai. Ils sont prêts à tout, frère. Wallah, ça dure un mois après. Ils savent très bien, parce que c'est lambda, t'as vu, les musulmans, ils vont payer, etc. Ils viennent, puis après, on est plus le restant de l'année. Hein. Smahli, hein, nous, les musulmans. Enfin, nous, les musulmans, nous, les maghrébins. Bon, moi, je parle des maghrébins, c'est ce que je connais le mieux. Smahli, quand on va à la boulangerie, on prend 10 baguettes. On ne demande pas une demi-baguette et vous me la faites couper en tranches, s'il vous plaît. Non, ouais, c'est vrai, nous, c'est on arrive, vrai, ça, on est des consommateurs. Ouais, c'est vrai. On a des tables qui vont de là-bas à là-bas, même si on est deux. On a toujours été élevés dans cette mentalité-là. Alors qu'il y a des gens, c'est ils vrai. Vont au snack, ils prennent le menu du jour. Hein. 5,50 avec un verre d'eau, la tête de ma mère. Et ça, les hypermarchés, ils ont compris qu'on était des gros consommateurs. Non mais, hey, frère, mais ils savent, frère, qui consomme le plus. Wallah, c'est qui? C'est les musulmans. Wallah, c'est, pourquoi? Parce que déjà, parce qu'il y a déjà beaucoup de gosses. T'as vu? Ils font le calcul, etc. Il y a là les marmots. Wallah, c'est la vérité. Hein. Ah, bien sûr, bien sûr. Après, bon, voilà. Quoi. Bien sûr, frère. Mais bon, merci de m'avoir appelé, Mehdi. On compte sur toi pour la prochaine. Vas-y, fois, tranquille, frérot. Vas-y, de toute façon, on se voit bientôt, Inch'Allah. Inch'Allah, Salam, Salam. Ouais, c'est très intéressant ce qu'il nous a dit, le frère Mehdi, là. Allô, Salam. Allô, salam alaikum. Alaikum salam. Attends, juste je vais. Voilà, coupe ton live, jette ton iPad par la fenêtre, merci. Ouais, non, c'est bon, c'est fait. Impeccable. Je t'écoute, tu nous appelles d'où? J'appelle de à côté de Chartres. À côté de Chartres, ah, donc big dédicace à. Là-bas, Chartres, c'est le 28, c'est ça? Okay. L'Eure-et-Loire. Exactement. Bien, très bien. Non, moi. Par rapport à l'islam swag, j'aimerais comprendre, il faut qu'on en parle de ça. Il y a une chose que je comprends pas. Bon, moi je suis une maman, hein, j'ai 37 ans, je suis pas une gamine. Mais quand on voit dans les magasins des mamans beurettes, hijab, la totale, bien, et leurs filles à côté maquillées comme des voitures volées, leggings, serrées, vous m'expliquez comment c'est possible? Wallah, on en voit de plus en plus. Et le pire, c'est que j'ai l'impression qu'elles endorment leur mère. Encore à la rigueur, si la maman, c'est une beurette à la retraite, mais on s'en bat les couilles. Mais moi, je vois des meufs comme ça, avec leur maman qui ont le voile, qui sont mastoura, et tu sens que c'est des mamans, c'est pas des beurettes, c'est des mamans, voilà, elles sont vieilles, elles ont leur vie, elles marchent. C'est des hijas, quoi. Ça se voit, alors sur leur visage, elles sont, c'est des mamans très gentilles, très chenilles. Et tu vois la fille à côté, talons aiguilles, leggings, maquillée comme pas possible, serrée partout. Y a rien qui vous choque? Ben, y a rien qui nous choque, mais attention, va pas dire ça aux gens. Hein. Les gens, ils vont te dire, cache les péchés de tes sœurs. Hein. Attention, hein. Moi, à chaque fois que tu me parles de ces femmes-là, j'ai envie de nettoyer. Mon camion, le ramener au carouage. Tu vois ce que je veux dire? Je m'en servirais bien, moi, de ça, moi. Tu vois? Non, plus sérieusement. Non, en vrai, plus sérieusement, bien sûr que ça fout la mort. Mais, alors, regarde, je vais t'expliquer une chose. Il n'y a pas longtemps, j'étais à Flunch. Wallahi l'adim, véridique. Wallahi l'adim. J'étais à Flunch, pour te dire, la vidéo, je l'ai mise. Hein. Donc, j'étais à Flunch, j'étais avec un sahab à moi. J'étais avec Face. Bon, je vois quoi? Je vois une femme voilée. Sur son plateau, il y avait une bouteille de rosé. C'est une blague. Attends. En fait, il y a une caméra cachée. Les flics, ils sont sur moi. Ils m'ont fait un gag. Je la regarde. Je dis, c'est pas possible. Elle avait une bouteille de rosé sur son plateau. Elle était avec sa mère. Bon, très bien. Je dis rien. Je la filme. Je la filme pas elle. Je filme le plateau. Je filme le petit bout de voile qui dépasse et tout. Je m'assois. Je mets la vidéo, évidemment, il y a toujours une petite pute pour dire, mais au lieu de faire ça, t'aurais dû aller lui dire. Eh ben, elle m'a donné une idée, je me suis levé et je suis parti. Je suis parti la voir et j'ai posé la question. Voilà, eh ben, excuse-moi, je vais parler correctement. Mais il y a certains groupes, des groupes de fils de temple, là, tous ces petits groupes de fragiles et tout de merde, là, qui disent que j'ai agressé la femme. Je ne l'ai pas agressé, je lui ai posé la question, je lui ai dit, oh, regarde, moi-même, je ne suis pas un exemple.
Je vois que t'es mastoura, t'as un voile avec la bouteille de rosé, elle est à qui? Sa mère, elle dit, elle est à moi. Je lui dis, ok madame, il n'y a aucun souci, je ne vous critique pas parce que vous êtes en train de boire, mais juste, c'était votre fille qui tirait le plateau avec la bouteille de vin dedans. Et alors, il n'y a que Rabbi qui juge. Mais c'est une blague! Les gens qui nous connaissent pas, ils voient la sœur voilée tirer le plateau avec une bouteille de rosé, mais vous êtes sérieux? Un minimum! Un minimum! Non, mais moi, c'est franchement, c'est le truc qui me choque. Là, depuis quelques années, c'est le truc qui me choque. Je me dis, mais soit la maman, elle est endormie ou elle a baissé les bras, soit la fille, elle n'a pas été élevée par la femme qui est à côté d'elle, quoi. C'est pas possible. Wallahi l'Azim, ma femme, elle m'a dit, il y a seul Dieu qui me juge. Oh, wesh, cette phrase, elle est sortie que quand Tupac, il a sorti. Oh là, ils ont mis. C'est tout. Wallahi l'Azim, les gens qui disent seul Dieu juge, c'est eux les partisans de l'Islam Swag. Entre musulmans, on a le droit de se blâmer. Demain, il y a un frère qui m'appelle, qui me dit, Bassem, tu parles de din. Non, mais il y a un mec qui m'appelle, qui me dit, Bassem, tu parles de din, tu fumes des joints. Ouais, il a le droit de me le dire. C'est un frère. Il a le droit de blâmer un autre frère. Voilà. On a le droit de le dire, parce que de toute façon, dans notre religion, on doit, si on voit une personne qui fait quelque chose qui est haram, on se doit de lui dire. Sinon, ça veut dire qu'on cautionne. Tu vois ce que je veux dire? Donc, mais après, il y a des façons de le dire, bien sûr. Mais moi, c'est un truc que je comprends pas. Je comprends pas, mais ça, c'est un truc que je comprends pas. Je vais juste en parler, c'est tout. Quoi. Non, mais tranquille, moi aussi, je le comprends pas, mais qu'est-ce qu'on peut dire? Tu veux faire quoi? Tu vas aller voir la mère. Aujourd'hui, tu vas voir la mère comme moi, je suis parti la voir. Si j'avais été plus petit, si j'avais été peut-être plus frêle, plus gentil, wallah la vie, elle me pisse dessus. Mais elle a vu que j'avais le regard de « Ich bin in Berliner » en la regardant. C'est là où elle a dit « Seul Dieu juge ». Je lui dis « Ouais, mais c'est ta fille qui pousse ». On rentre, on voit une voilée pousser du pinard. Et puis quoi encore? Elle va aller à la chasse à la galinette sans Drezbi. Non, trop, c'est trop. Wallah il arrive. Merci de ton appel. Merci de nous avoir rappelé. Allez, salam. Prends son point, salam alaikum. Elle a raison, la sœur. Wallah, elle a raison. Elle a raison, la sœurette. Allô? Allô? Allô, Salem, ça va, tu vas bien? Oula, ça va, alhamdoulilah, et toi? Comment ça, oula, qu'est-ce qui t'arrive? Bon, tu nous appelles d'où? Ah, tu m'as pas reconnu? Non, je t'ai pas reconnu. Je suis censé te reconnaître? Ah, bon, bah ouais, quand même. Bah non, je te connais bon, pas. Bon, bref, qu'est-ce que je vais dire? De quoi? Je te connais pas, wallah, je vois pas qui t'es. Si j'avais su, je t'aurais dit, ah bon, rappelle-nous, t'es qui? Ouais, mais c'est pas grave, Bassem, c'est pas grave. Raja de mon plaisir. Ah, voilà, dis-moi Raja, et me dis pas, Bassem, c'est pas grave, les gens, ils vont c'est s'accrocher pas grave, à des branches. Nali. Chnahoué, les Raja, t'as mon plaisir. Chnoua, tout, hein. Yézi, ah, dommage, fromage, aïe. Qu'est-ce que tu dis, Raja? Ben, ça, Alik, Raja? Ça va, tu vas bien? Alhamdoulilah, Raja. Ça va, voilà. Quoi? Alhamdoulilah, ça va. Tu veux nous parler quoi, Raja? Ben, moi, je voulais juste vite fait intervenir sur le sujet. Bon, j'étais pas entièrement d'accord parce que moi, par exemple, mes soeurs, elles sont toutes voilées. Moi, je le suis pas. Dès qu'on marche dans la rue, c'est pas pour autant. Ça veut dire que j'ai pas le droit de marcher avec mes soeurs voilées. Ça veut dire quoi en fait? J'ai pas trop saisi. Alors évidemment, venant d'une fimène de Ben Ali, ça m'étonne pas. Mais bon, je vais t'expliquer une chose. Raja, tu vois très bien de quel profil je parle. Arrêtez de penser que j'ai la science infuse. Je parle de ces fameux profils qui prennent le bus, qui arrachent tout dans les bus. Toi, tu marches avec tes sœurs. Tu vas au marché. Normalement, tes sœurs, elles sont toutes voilées. Voilà. Normalement, elles doivent te donner l'exemple, même si aujourd'hui, le voile, ça veut pratiquement plus rien dire. Mais ce que je veux dire, là, tu es avec tes sœurs. Bonne famille. On est bien d'accord. Mais moi, voilà. Je te parle, des lycéennes hijabeuses de la street. C'est elles dont je te parle, moi. Et par contre, je vais dire quelque chose que je devrais pas dire, mais je le dis. Une fois, je me suis permise d'avoir une tenue vestimentaire qui n'était pas adéquate et ma sœur, elle s'est pas gênée pour me dire non, mais là, tu rentres et tu te sens. Ça veut dire quoi, une tenue pas adéquate? Bah, pourtant, c'était une robe longue
Mais visiblement, d'après ma sœur, visiblement, c'était pas une robe que je devais mettre dehors. Et j'avais une veste aux trois quarts du genou. Et j'en ai tenu compte. J'ai dit bon, bah d'accord. Mais pourquoi elle était pas bien cette robe si elle était longue? Eh ben, en fait, elle était longue, mais elle était un petit peu moulante. Schnell! It's matching gazine! Ouais, en vrai, t'menik, toi là, t'kohib, t'menik, attention à toi, Raja. Oh, t'es pas gentil. Herche, merche. Herche, mou, mou. Et du coup, c'est vrai que ma soeur m'a dit ça. J'ai respecté ma soeur, j'ai dit bon, bah d'accord, bah, je vais partir me changer, quoi. Mais c'est vraiment parce que j'ai vu que ça gênait ma soeur. D'accord, donc sinon, toi, ça te gêne pas. Hein, c'est la porte ouverte à toutes les fenêtres. Hein. Toi, ça te gêne pas, toi. Ben, moi, en toute honnêteté, moi, pour le moment, Inch'Allah, ya Rabbi, bon, après, voilà, il y a des choses que je suis en train de faire, mais pour le moment, je suis pas entièrement prête. Mais je sais que d'ici un futur proche, je sais que je vais franchir le pas et que je vais suivre, le chemin de mes En tout cas, une chose est sûre, c'est que tu as des... Non, une chose est sûre, c'est que tu as des super bonnes sœurs. Wallah, une chose est sûre, c'est que tes sœurs, tu as de la chance d'avoir, d'être entouré. Surtout, nous, les Tunisiens, c'est vrai que on est famille comme tout le monde. Mais c'est vrai que, voilà, on est famille et tout. Tu es entouré des sœurs bien. Et puis, quand tu dis franchir le pas, c'est que, voilà, quoi. On dirait, c'est logique. C'est une logique. Je pense que c'est... Ah, mais c'est une logique. Hein. Moi, personnellement, franchement, j'admire toutes les personnes qui le portent correctement. Je dis bien correctement. Celles qui sont en corrélation avec la religion, parce que si c'est pour me porter le foulard et ne pas avoir le comportement adéquat, ça sert strictement à rien. Après, c'est que moi, je sais qu'il me faut un peu plus de temps par rapport à mes sœurs, mais Inch'Allah, d'ici quelques temps, je compte le mettre, mais par conviction, je vais pas le mettre parce que c'est un effet de mode ou quoi que ce soit, pas du tout, c'est parce que c'est comme ça, une femme, de toute façon, ne rentrera pas au paradis si elle n'est pas voilée. Dis pas ça, c'est ça l'islam swag, c'est les gens, ils se... Petit à petit, voilà, en disant ça, il y a une meuf, elle va comprendre qu'il faut mettre un voile, mais elle va continuer à écouter Jules. Non, non, faut pas dire des trucs comme ça, faut... Ouais, voilà. On dit, oh, quand je te parle, Rajah, attends, quand je te parle, on dirait je suis fou comme star, avec un meshmoum, un teinerner, et je parle à mes cousines. Ouh, ouh. Vas-y, dis-moi. Non, là, par contre, je précise, je dis pas qu'il faut mettre le foulard pour mettre le foulard. Il faut mettre le foulard tout en étant connecté avec notre vraie religion. Ça veut dire avoir un comportement respectueux, ne pas tenir des injures, etc. Je dis pas qu'il faut le mettre. Alors, Raja, j'ai une super bonne question de Amazir Cobra. Big dédicace à Amazir, qui dit, qu'est-ce qui te manque pour le mettre? Eh ben là, pour le moment, c'est que, bon, toi, tu le sais, hein, tu le sais. Arrête de me dire tu le sais, on dirait... Mais attends, Raja. Non, Raja, je finis avec ça, c'est super important. Au début, tu me dis, tu m'as pas reconnu. Là, maintenant, tu me dis, toi, à croire que je dors dans un lit superposé, Marakena. Hein? Toutes les nuits, on se voit, on mange la haja ensemble. Arrête de me dire ça, chérie. Moi, je sais rien du tout. Wallah. Ayan, laisse-moi. Vas-y. Ouais, bah en fait, je vais te dire quelque chose et j'espère que tu vas comprendre. Et que les mêlés, le maître de Zed, je t'avais dit que j'étais... Bon, bref, je suis en fin d'études et pour le moment, malheureusement, je suis pas prête à 100%. Donc, voilà, je le mettrai dès que ça sera le bon moment. Après, j'ai l'impression que tu vas le mettre quand tu vas rater ton examen ou tu vas te retrouver au chômage. Tu vas te dire, hey, pourquoi je vais le rater? Mais je rigole avec toi, ça va. Je vais pas faire deux rakat avant de passer ou je vais pas dire la sourate pour réussir l'examen. Avant, hein. Ça c'est juste une petite précision. Non, mais Rajasthan, Rajasthan, non, wallah, Rajah, t'es une femme de mon bled. Inch'Allah, ya Rabbi, que t'as ton examen. Inch'Allah, que tout se passe bien pour toi. Que tu trouves un Wulbel. Et ben, voilà, si je le veux, si je l'ai, je compte faire sortir comme on dit chez nous, sa dague. Et puis, Inch'Allah, je t'en prépare. Après, j'ai juste fini avec
voulais juste dire quelque chose. Hier, j'ai eu l'occasion d'être dans, mais comment dirais-je, à la soirée tunisienne de Villeurbanne. Mmh. Et en fait, j'étais agréablement surprise. C'est une femme française, Danielle, qui était à l'initiative de cette soirée. Et le but, en fait, de cette soirée, c'était de récolter des fonds pour venir à 4 familles les plus démunies au Caire. Attends, il y a un truc que je comprends pas. Il y a un truc que j'ai pas compris. En tant que Tunisien, il y a une phrase qui m'a fait bugger, là. J'ai pas trop compris. J'ai perdu mon réseau de téléphone. Quand tu as dit une soirée tunisienne caritative, pardon ? Oui, les Tunisiens qui récoltent des fonds pour les autres. Oui, mais j'aimerais bien voir ça. Écoute, putain. Eh ben si, laisse-moi parler, je t'enverrai si tu veux venir. Hier, en fait, il y avait une soirée. Elle était au centre social de Villeurbanne. Donc, il y avait deux groupes tunisiens, tels que Nozoum ou Loi des Jouini, et un chanteur libanais. Et en fait, ou les deux Jouini. Hop, 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 hop. Ouais, la boue, les deux Jouini, je connais. Les Nesmak. On dirait que t'habites à Montfleury, en fait, on dirait que t'habites Menza ou Filbardo, hein, c'est ça? Vas-y, vas-y, non, soirée tunisienne. Non, Darvaneb. Ouais, non, vas-y, je t'écoute. Mais je suis originaire de la campagne à la base. Hein. Bref, moi, ce qui m'a vachement surpris, c'est que ça soit une femme française qui était à l'initiative de cette opération pour récupérer les fonds pour accompagner 4 familles du Kef, sachant qu'il leur manque de l'eau, une citerne d'eau, etc. Et franchement, à travers son discours, je me suis sentie humiliée hier. Voilà, la comment une soirée tunisienne organisée par Daniel, on dirait un Brigitte Lahaie, machin, tu vois ce que je veux dire? On dirait, mais bien non, sûr, mais moi, Raja, regarde, je vais te rejoindre. Non, mais je vais te rejoindre sur une chose. Quand tu me parles de Daniel qui organise des soirées tunisiennes, c'est comme si tu me parlais de Michel qui est en tête de file lors des manifestations pour la Palestine. Devant, il n'y a que des guerres. Les Arabes, ils sont derrière, en milieu, en train de danser de la darbouka. La beurette, elle prend le drapeau de la Palestine. Inch'Allah, qu'elle tombe sur le cul, qu'elle marche plus. Elle le met sur son boule et elle danse. Et il y a des mecs qui l'applaudissent. Nous, on est bons que à ça. Donc, je comprends. C'est moi ce qui m'a un petit peu révolté. Moi, ce qui m'a un petit peu révolté, c'est que c'est une personne, visiblement, qui va souvent au Kef. En fait, c'est par l'intermédiaire de son mari qu'elle a découvert cette région du Kef. Et elle est tombée sous le charme de cette commune. Et c'est vrai que lorsqu'elle était à l'initiative, parce qu'elle a dit, hormis les places d'entrée, elle avait mis une espèce de corbeille pour récupérer un maximum de fonds. Et ben, moi, je me suis sentie humiliée. J'ai dit à ma copine, moi qui ai toujours voulu monter une association pour aider les gens qui n'ont pas de fonds, qui n'ont pas de quoi se soigner, et ben le fait que elle ait mis à profit toutes ses compétences et qu'elle ait créé cette association qui s'appelle El Hendi, et ben franchement, je me suis dit non, mais là je crois que j'ai coupé quelque chose. Une Française qui vient agir, qui vient en aide à des familles tunisiennes. Franchement, je me suis dit non, mais là, Raja, il faut vite faire quelque chose. Hein. Raja, il faut horticulture. Oui, il faut faire quelque chose et vite. En tout cas, moi, je souhaite dédicacer à Daniel, organisatrice de soirée en Tunisie. Nahchem, wallahi, Nahchem, c'est le comble des combles. Voilà, Nahchem, madame. Yazi, yazi. Arrête tes conneries. Big dédicace à tous les Tunisiens de l'accro, aussi. Hein. Voilà. Ouais. C'est super important. Sinon, merci de nous avoir appelés, Raja. On se dit à plus tard. Salam alaikum. Au plaisir. Salam Raja. Connecté à iPhone de Basme. Je se connecte maintenant, l'enculé. Ah oh, putain. Non, tranquille. Big dédicace à Daniel. On va appeler après l'équipe Ahmed. Tiens, on va rire un peu. Allô ? Oui, allô ? Oui, allô, salam. Aïkoum salam. Moi, en fait, c'est Sarah de Toulouse. Sarah de Toulouse ? Oui. Ouais, vas-y, je t'écoute. Pas. Non, c'est...
Bah en fait, j'avais vu un truc qui m'avait vraiment choquée par rapport aux femmes voilées. Et j'étais allée en fait au taxiphone pour appeler ma famille du bled. Et du coup, en fait, il y avait juste des vitres en fait qui nous séparaient. Je voyais une fille qui rentrait avec le gilbeb et tout dans à téléphoner aussi, je crois. Et je l'ai vue en train d'enlever en fait son voile et tout. Elle enlevait tout et en fait, en tout, elle avait une jupe, un petit débardeur décolleté. Enfin voilà. Ça m'a choqué. Attends, bouge pas. Elle était en train de faire une webcam. Non, elle était en train de tout enlever en fait pour se changer et pour sortir. Ah, vraiment, en fait. Putain, elle est rentrée dans un taxiphone et elle a putain de merde. Du coup, elle m'avait choqué. Moi, j'étais au téléphone, donc voilà, quand je l'ai vue. Et t'aurais dû lui dire, t'aurais dû la prendre en photo et m'envoyer ça. Non, t'aurais dû lui dire. Voilà, n'hésitez ouais, surtout pas sais. Quand c'est comme ça. Putain, la maison sera ravie de partager des trucs comme ça. Toulouse. Tu sais peut-être ce qu'on que dit c'est toujours ça là-bas. Hein. Je retournerai dans le même taxiphone et je la prendrai en photo. On dit souvent que les Toulousaines sont de très belles filles. Vrai ou faux? Je sais pas. Franchement, le sud-ouest par rapport à ça, c'est archi connu quand même. Hein. Narbonne, Toulouse. Ce qui va avec un peu. Hein. Non? Non, je sais pas. Bon, il y en a partout des belles filles. Il y en a partout, mais je te parle, il y a des villes plus que d'autres. Par exemple, tu vas à Montélimar, chez nous, dans le 26, c'est un aéroport, cette ville. Il n'y a que des avions. Il n'y a que des avions, là-bas. Tu vois? Donc, je sais pas, peut-être qu'il y a des gens... Ah, il y a une femme qui me dit, je l'ai vue dans le train, ça aussi. Hein. Une femme qui s'est changée, qui a enlevé tout ça. Ah, elle a vu dans le train? Ouais. Oh, putain, mais ça se passe partout. Hein. Mais ça se passe de partout, voilà. Et puis, franchement, c'est vrai que... Moi, je sais pas comment je réagirais si je verrais un machin comme ça. Moi, franchement, ça m'a choqué. Sur le moment, en fait, je réalisais pas qu'elle était en train d'enlever et qu'en dessous, en fait, elle était habillée pire que moi, en fait. Tu lui as pas dit, attends, je reste devant la porte, dès que tu peux sortir, je te le dis, non? Oh là, t'es un fou. Non, mais je demande. Jamais de la vie. Mais jamais de la vie. Moi, je l'ai vu changer. Elle a fait ça en 5-5. Mais tu imagines même pas. Elle est rentrée, elle s'est changée et elle est ressortie. Mmh. J'ai même pas eu le temps de calculer ce qui se passe en fait. C'est vrai. Franchement, moi, je pourrais pas tomber dessus. Non, regardez, si je tombe dessus, souriez, vous êtes filmé. Ce soir, toi, t'es mon émission de radio. Rentre au bled, change d'idée. Change d'identité, quitte la ville! Putain de merde! Attends. Ouais. Après, si elle veut faire la biatch, hein, voilà quoi. Elle est au quartier d'habitude. Est-ce que tu la connais, cette femme-là? Non, pas du tout. Donc, c'est la première fois que tu la vois, en fait. Ouais, c'était la première fois que j'allais aussi dans ce taxiphone, donc je pouvais pas. Mmh. Ok. En tout cas. Est-ce qu'elle a l'habitude de le faire là-bas? Bah, si elle l'a fait là-bas, c'est qu'elle a l'habitude. Hein. Va savoir si le mec du taxiphone, voilà, tu vois. Tu vois une fille voilée rentrer, une fille qui ressort, wesh. Tu te poses des questions. Voilée, mais voilée de la tête, genre même le truc sur le nez et tout. Elle mais non. En 2 minutes, elle a tout enlevé et elle est ressortie. D'accord. Elle m'a choquée, c'est pour ça qu'elle m'a choquée. Elle m'a vraiment choquée, c'était la totale. Mmh. Bon, bah écoute, merci de ton intervention. Merci beaucoup de nous avoir appelé. Big dédicace, avec Toulouse. Toulouse, big dédicace, Hélène. Allô? Allô, Ahmed, renvoie-moi ton numéro sur le profil, là. J'ai dit numéro inconnu, je réponds pas. Je ne réponds pas au mimichouri. Je réponds pas à eux, moi. Allô, Ahmed, allô. Oui, salam alaikum. Alaikum salam. Salam alaikum. Alaikum salam. Voilà, c'est... Est-ce qu'on peut parler d'autre chose que du débat? Ouais, bien sûr, je t'écoute. Voilà, en fait, je voulais savoir s'il y avait des gens de la chronique qui auraient pour faire un crédit, mais avec une banque islamique, pour savoir en fait comment ça se passe. D'accord. Je pense qu'il y a des gens super bien calés par rapport à ça sur la chronique. Je crois qu'on en a déjà parlé parce qu'on avait parlé du crédit et de l'islam et tout, mais les banques islamiques, c'est vrai que je sais pas comment ça marche. Wallah, ma soeur, je peux pas t'aider.
dessus. Mais je pense que sur la chronique, il y a des gens vachement bien calés dessus. Et après, moi, la seule chose que j'ai entendue, c'est que c'est l'intérêt qui est haram dans le crédit. Et parce qu'en fait, c'est elle le pratique, je pense. Moi, ce serait pour un petit prêt, en fait. C'est pas pour un prêt pour une maison ou quoi. C'est pour un prêt de 5 000 euros à peu près. Et le souci, c'est que je suis en ce moment en train, je travaille. Et enfin, je travaille, je commence à travailler. Inch'Allah, bientôt, je devrais signer Inch'Allah un CDI. Mais pour le moment, je travaille et je ne travaille pas. Et je suis toute seule avec mes enfants. Et du coup, je voudrais. Je t'arrête juste, j'ai envie de répondre à une chose. Attends, avant d'être un moteur pour l'économie. Ouais, je regarderai. J'aimerais juste revenir sur une chose, c'est super important. Un jour, non mais c'est pas à toi je parle à toi et aux autres aussi. Un jour, j'ai parlé d'une éventualité que la chronique, un jour, Inch'Allah, on peut faire des abonnements. Les gens qui sont à fond sur la chronique avec nous, eh ben, ils cotisent 5 euros chaque mois ou 10 balles chaque mois. Ça casse pas le cul. Et Inch'Allah, un jour, on deviendra tellement puissant que le problème que t'as là, eh ben, ça sera nous qui pourrons le résoudre. Parce qu'il y aura un conseil d'administration pour de vrai. Tiens, la sœur, elle a besoin d'une voiture. Elle nous a montré qu'elle va travailler. Elle nous a montré qu'elle peut rembourser. Pourquoi c'est pas nous qui lui avançons? Pourquoi c'est pas nous qui lui avançons l'argent? Pourquoi elle est obligée de se tourner? Nous, moi, sur la chronique, haqqallah, on est capable de le faire pour de vrai. Il y a des gens très très sérieux. On crée une petite entreprise où tous les membres abonnés auront accès au compte en temps réel. Ils verront ce qui sort, ce qui rentre. Et surtout quand on a une demande comme ça, eh ben c'est plus moi qui déciderai. Il y aura des gens qui seront là et qui diront « moi je suis pour, moi je suis contre, moi je suis pour, moi je suis contre parce qu'il faut aider l'autre. » Ça on pourrait le faire et on doit le faire. Mais nous, on se tire une balle dans le pied. Wallahi l'azim, on se tire une balle dans le pied. C'est vachement dommage. Mais pour ça, franchement, je connais pas trop au niveau des banques et ben islamiques. Mais wallah, moi, ça, c'est un projet que j'ai en tête. Wallahi l'azim, c'est vraiment ça. C'est... Voilà quoi. Si on peut aider les gens... Après, on va pas aider des 1000 et des 100, mais 5 000 euros. Si on se cotise tous, on fait ça, on prend... Des abonnements entre membres, la vie de ma mère, 5 000 euros, c'est rien. C'est dérisoire, c'est rien. Je vais t'expliquer. En fait, c'est pas pour acheter une voiture. Donc, j'étais en instance de divorce. Et là, je récupère, en fait, ma maison. Donc, où on habitait avec mes enfants, où ils ont leurs habitudes. On a un chien, on a deux chats, on a un jardin. Et en fait, je paye que 470 euros. Et les enfants? Ils sont avec moi. Ah, ils sont avec toi. Ok, d'accord. Voilà, ils sont avec moi, voilà, ils vivent avec moi, c'est moi qui amène la garde, c'est moi qui les... Enfin, ils sont H24 avec moi. Et du coup, il me reste 5 000 euros, en fait, j'avais mis des économies de côté, pour pouvoir acheter la part du papa. Et il me reste que ces 5 000 euros, et ces 5 000 euros, si je les ai pas, en fait, la maison, je peux pas la garder, en fait. Je sais pas si tu vois, en fait, ce que je veux dire. Non, mais je vois ce que tu veux dire. Voilà, et je me dis, c'est un peu con... Parce que là, avec si jamais je prends un appartement, que je laisse la maison, je vais être obligé de prendre un appartement, je ne trouverai jamais un appartement ou même une maison à ce prix-là. Oh. Donc, je vais redevoir, voilà, retourner un appartement. C'est clair, mais ça, je suis d'accord. Mais voilà, encore une fois, tu soulèves un débat terrible. Moi, je connais des meufs, wallahi l'azim. Après, voilà, en parlant de ça, bon, j'en profite que tu me parles de ça pour te parler aussi, pour parler aux autres. Quand il y a des gens qui viennent voir moi, qui me disent « Bassem, je connais une sœur, elle est en retard de 8 loyers, elle est en retard... » Attention les gens, on va pas se faire berner, nous. Hein. Pourquoi elle est en retard de 8 loyers? 2, j'ai bien envie, mais 8, elle a fait quoi? Elle a fait quoi? À part si elle prouve que c'est son mec qui gérait tout, il lui a fait à l'envers. Ouais, ces gens-là, on peut les aider, mais on peut pas aider tout le monde. On va pas aider des choses, des trucs de fou. On aide, alhamdoulilah. Mais ce que je veux dire, c'est que nous, la chronique, on doit se professionnaliser. 5 euros, c'est quoi? C'est ce que tu mets dans un cash. Tu vas au café, la tête de ma mère. Je vais au café, je nique 20 euros. Paquet de clopes, café... RSA, USA, un coca, tu payes un verre à l'autre, 5, 10 balles par mois, imaginez-vous, on est 42 000.
Wallah, il y en a largement 2000 ou 3000 qui donnent 30 000 euros le mois. On arrache tout. On arrache tout. On envoie des gens au Hajj. Wallah, il arrive. Prouvez. Moi, je connais. Ah, dans la chronique, on a des comptables. On a des gérants. On a des mecs qui tiennent des boucheries. On a des mecs. On peut faire mille et une choses. Mais non. Les gens, ils préfèrent te dire, ouais, mais non, non, je préfère les donner à Baraka City. Baraka City, c'est des trucs qui ont fait beaucoup de choses. Hamdoulay qui sont là, qui nous donnent l'exemple et tout le reste. Mais les multinationales, nous, on s'en bat les couilles. Moi, j'ai envie de faire aider les gens à proximité, sur le tas. Pas attendre, non, sur le tas. Allô, ouais, Bassem, voilà, regarde, Shabam. La dernière fois, le Hajj qu'on a vu... Allah, il m'a fait lui pousser sa voiture. Je lui poussais sa voiture pour qu'il redémarre. J'ai vu des affaires dans son sac en vrac. On lui a trouvé une place au foyer à Paris-Bi. Wallah, la vie, on a réussi à le trouver. Alhamdoulilah, que j'ai un frère qui est placé un peu. Je lui ai posé la question. Il me l'a tout de suite trouvé. En deux temps, trois mouvements, on peut faire des choses. Mais non, nous, non. On préfère, on s'insulte, on préfère. Et aujourd'hui, une sœur comme toi qui doit travailler... Et tout, wallah il arrive, si j'aurais pu, je l'aurais prêté avec grand plaisir. Et nous, on te demande merci pas. À... Et nous, on te demande pas des intérêts dessus. On te demande juste, prends un abonnement et la prochaine fois qu'une sœur, elle demande, t'aide. Nous, nos intérêts à nous, sur la chronique, ça va être ça. Ça va être, t'aide le prochain. Aujourd'hui, on t'a aidé, c'est à toi, tu aides les autres. Et on en traitera fait, les fait, dossiers oui. pour de vrai. D'accord, t'es en retard de 5 loyers, prouve-moi le pourquoi du comment. Oui, parce que si ça, ça, d'accord, j'en parlerai aux autres. J'en parle autour de moi, à ceux qui seront proches de moi. Et attention, je précise, les gens qui feront partie de ce conseil d'administration, c'est pas forcément des gens que je connais, hein, que j'ai vus. Non, c'est des gens de confiance sur Internet. Même s'ils sont loin, eh ben on traitera le dossier. Alors elle, est-ce que tu penses qu'elle est plus prioritaire que lui? Ben non, je sais pas, ben on va l'aider un petit peu, mais on va pas tout lui filer, ainsi de suite. Moi, c'est ça que j'ai envie de faire. Et aujourd'hui, moi le premier, je t'aurais prêté les 5000 euros. Aujourd'hui, moi le premier, je serais parti voir Fabien Leblanc hier qui m'a dit « Salut mon frère, voilà, j'ai un travail, je rêve de rester, il me demande de passer le permis, je peux pas, moi et mes enfants, je suis dans la merde. » La vie de ma mère, il y a un frère aujourd'hui, il m'a dit « Tiens, sans boule pour lui !» Et ça arrive petit à petit, on peut les aider, non seulement on montre une bonne image. Qui c'est qui l'aide comme nous on fait? Nous, oui, les gens de la chronique, les maghrébins, les renois, les blancs qui sont dans la chronique. Peut-être qu'on s'aime pas, peut-être qu'on se clash, mais wallah, ce que j'aime chez moi, c'est quand il faut se mobiliser, les gens, ils sont là. Dans la même cagnotte litchi, subhanallah, j'ai les noms, moi. Je vois qui donne. Eh ben, il y a des mecs qui se clashent sur les murs. À longueur de journée, ils sont dans la même cagnotte, le nom, l'un à côté de l'autre. Masha'Allah. Qu'est-ce que tu veux qu'on te dise? Mais ça, on essaiera de faire les choses et franchement, après, au niveau de la banque islamique, moi, je sais pas trop. Dire, après, moi, je peux faire un remboursement de 200 euros tous les mois. Après, je suis quelqu'un de voilà, je suis... Bon, après, c'est vrai que j'ai pas de garantie, mais je suis quelqu'un de vraiment... j'ai toujours aidé quand je pouvais aider. Et là, c'est vrai que je suis un peu en galère. Et j'ai vraiment pas envie de passer, enfin, de laisser passer la maison de mes enfants. Ils ont grandi dedans, ils sont nés dans cette maison. Et ça me fait mal au cœur pour 5000 euros. Mais bien sûr, mais je suis d'accord avec toi. La dernière fois, il y avait une femme, une haja qui avait pas de fauteuil roulant. J'ai déposé une annonce, il y a une femme du 91 qui lui a emmené tout neuf. Je connais des frères qui étaient en prison. Ils m'ont appelé, ils m'ont dit, je t'envoie un mandat demain, tu lui en achètes une avec des jantes et un moteur. On veut pas qu'elle pousse. On veut qu'elle appuie sur un bouton et qu'elle pousse. Wallah l'azim. La solidarité, elle est là, mais aujourd'hui, on n'est pas organisé. Peut-être que la prochaine fois, on sera organisé et peut-être qu'un dossier comme le tien, on pourrait le traiter. Après, on n'est pas là pour que tu nous dises, je te rends 200 euros, je te rends... Nous, on court pas après les gens. On part sur la kelma. Maintenant, après les gens, ils veulent pas rembourser. N'oubliez pas, c'est la street. On aura des méthodes de street, on ira chez les gens, on prend les meubles, la tête de ma mère.
C'est clair, net et précis. On non, prend moi, les meubles et on les donne aux autres. Moi, j'ai plus peur du bon Dieu. Voilà, moi, j'ai plus peur d'Allah que de voir des gens arriver chez moi. Je mange pas ce pain-là. Moi, c'est vraiment, voilà, c'est juste parce que je suis dans la galère. C'est rare que je demande. J'ai jamais demandé. Je suis quelqu'un de quand même d'assez fier. Mais là, c'est vraiment parce que j'ai envie de laisser un héritage à mes enfants. Tu peux pas t'arranger avec le père de... Il y a Naïma Sbaï qui me dit, tu peux pas t'arranger avec le père de tes enfants pour au moins la maison? En fait, on avait deux maisons. On avait une maison en location et cette maison-là. Et la notaire lui a dit, c'est bon, laissez-la. Il veut pas, il veut absolument les sous. Alors, Smarnier, ben excuse-moi, Farah, on va pas créer des cagnottes litchi pour rien. Comme l'autre, il m'a dit hier, crée une cagnotte litchi pour le frère français qui est dans le besoin, dans le permis. Non, on crée des cagnottes litchi pour les gens qui sont dans la merde, pour de vrai. Le frère, peut-être, il a pas assez de moyens, il travaille 15 heures par jour, il a un petit peu de sous qui rentre. On va pas créer des cagnottes litchi pour un oui, pour un non. Vous êtes malade, vous, quoi. On joue pas avec l'argent des gens. On crée des cagnottes litchi quand nécessité fait loi. Juste. Bref, essaye de t'arranger. Non, après, voilà, moi, c'était pas une cagnotte, c'était juste un prêt. Moi, je peux rembourser et j'ai 2-3 bijoux que j'avais, que je peux te laisser en gage. C'est tout ce que je peux, c'est tout ce que j'ai de valeur. Wallahi al-Azim, je te dis la vérité, nous, quand, si un jour on le fait, et je compte le faire, hein, si un jour on le fait parce qu'on n'a pas fait tout ce bordel pour rien, hein, on n'en est pas là pour rien du tout. Moi, le jour où je le ferai, il n'y aura pas de garantie avec moi. La garantie, c'est laquelle main? Voilà, tous les mois, je rembourse à la chronique tant. Tu rembourses pas à moi, tu rembourses à la chronique. Je rembourse à la chronique tant. D'accord. Si ces conditions-là ne sont pas respectées, on va se gêner. Les yeux de ma mère, on défonce des portes. On arrive, on défonce et on prend ce qu'il y a à prendre. Parce que ce que tu nous rembourses pas, ça... Ça peut ne pas aider des gens qui sont dans le besoin pour de vrai. Nous, on parle de la confiance. On parle de la kelma. Kelma, Dragel, tu l'as ou tu ne l'as pas. Bon, voilà. On parle de ça. Après, maintenant, des difficultés, ça peut arriver, bien sûr. Mais ce qui paye ses dettes s'enrichit. C'est grâce à peut-être des gens comme toi qui payent ses dettes que ça marchera petit à petit. Alors, mais moi, c'est... Moi, je les paierai vraiment. Après, comme j'ai dit, je peux laisser c'est mon alliance. C'est un collier que j'avais en or. Je peux donner ce que je, c'est ce que j'ai le plus cher en fait de ce que j'ai de vraiment de valeur. Et voilà, en fait, c'est vraiment ça. Et là, Inch'Allah, je vais peut-être signer un contrat. Et ton mari, il est où? Il a jamais vu ce travail. Il est à côté. Enfin, il habite dans la même ville que moi. Mais voilà, il m'aide pas du tout. Au contraire, s'il peut m'enfoncer, il va m'enfoncer. Après, Alhamdoulilah, il rendra ses comptes. Alors, je vois comment il galère. Je vais le laisser, Alhamdoulilah, il rendra ses comptes. Mais voilà, après moi, c'est vraiment parce que je veux laisser un héritage à mes enfants. J'ai retrouvé du travail, Alhamdoulilah, depuis peu. Je devrais signer un contrat en CDI, Inch'Allah. Tu habites où? En attendant, je suis dans le sud-ouest. D'accord. Et c'est quoi ton problème aujourd'hui? C'est que tu n'as pas de voiture pour aller au taf, hein, c'est ça? Alors, j'ai une voiture qui m'a lâchée il y a 2 jours. Je ne peux pas la faire réparer. Parce que j'essaie de couvrir au maximum, parce que pour moi, c'est 5000 euros. C'est ce qui, pour moi, est ma priorité, en fait. Là, même pour les vacances, je dis aux enfants, il n'y a pas de vacances. Après, alhamdoulilah, ils sont compréhensifs. Machallah, j'ai des enfants en or. Ils sont compréhensifs. On se serre la ceinture, ils sont là, ils m'aident. Il n'y a pas de souci. Ils comprennent pas. Non, mais j'ai pas compris, là. J'ai pas compris. Les 5000 euros, tu me parles à chaque fois de 5000 euros. Ils te servent à quoi? T'en as besoin pour quoi faire, ça, en vrai? C'est ce qui me manque, en fait. Moi, j'avais mis, en fait, c'est 20 000 euros la totalité que je dois payer. Moi, j'ai coffré au fur et à mesure, j'ai serré la ceinture, j'ai coffré, mais il me manque ces 5 000 euros-là pour atteindre les 20 000 qui manquent pour le rajouter, en fait, pour lui donner sa part, en fait. Pour lui donner sa part de la maison. Exactement. Donc, moi, j'ai les 15 000 que j'ai réussi chouïa, petit à petit, à mettre de côté. Et il me manque ces petits 5 000 euros-là. Qui font que si je les ai pas, ben ça part. Et le problème, c'est que je peux pas faire de crédit parce que j'ai aucune garantie en fait vis-à-vis de la banque en fait. Moi je te dis la vérité, je wallahi l'azim, hein, pour moi, hein, je te dis la vérité pure et dure, hein, pour moi, depuis que j'ai fait la chronique, pour moi, certes
tu es entêtiné par cette histoire, mais tu n'es pas ouais. dans le besoin par rapport à moi. Ah non. Ah non. Qu'on ah soit non, bien non, clair non, entre non, nous. Non, moi, j'ai, ah, moi, voilà, nous, oui, oui. nous, on a aidé des gens qui dormaient par terre, hein, la tête de ma grand-mère. Ah non, après, je... Là, tu me parles de racheter des parts, smahni, smahni. C'est... Voilà, non, voilà. non. Après, je dis bien, voilà, je dis bien, je veux pas de cagnotte ici, t'as raison pour ça. Mais dans mon rapport, je tiens à te le dire, hein, putain. Attends, voilà. Ah non, ouais. mais voilà, j'en veux pas non plus. Après, je demande pas la charité. Non, 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 loin de là, je demande à savoir s'il y a une possibilité d'avoir ce crédit-là, une aide islamique. On m'a parlé de banque islamique, à savoir comment je peux faire, en fait. Banque islamique. D'accord. D'accord. Moi, on m'en a parlé. On okay. m'a dit qu'il y avait des blancs islamiques. Tu fais la prière et tout? Tu fais la prière et tout? Non, après, voilà. Après, ah, tu fais pas la prière? Mais quand il faut trouver les 5000 euros, faut aller dans une banque islamique. Voilà l'islam swag, hein, non, mesdames et messieurs. Hein. Allez, on là, l'islam swag. Hein. On va, voilà. Non, c'est pas l'islam swag. C'est juste que, voilà, je vais pas, j'aurais pu t'en mentir et te dire, oui, je fais la prière ici et là. J'aurais pu. Non, mais il y a Stomy Bugsy qui disait, c'est pas une référence lui, hein, mais il disait une phrase à l'époque, je prie Dieu quand je suis dans la merde. Tu vois? Donc, ce que je veux dire, c'est que non, bien sûr, mais sache bien une chose, c'est que comprends aussi que ça peut être une insulte pour les gens qui nous écoutent, ceux qui vont bientôt se faire expulser, ceux qui peuvent pas soigner leur enfant manque de moyens, ah non, quand ils t'entendent parler, c'est non, une insulte. Que... On est bien clair là. Non, je suis entièrement d'accord. Tu m'as pas compris. Je demande pas de l'aide. Après, oui, tu demandais des renseignements. Je demande juste à savoir s'il y a voilà, des renseignements. Alors, voilà. alors moi, ma soeur, après, je vais t'expliquer une chose. Je paye. Moi, je m'engage à payer. Non, mais ça, bien sûr, on n'en doute pas de ta bonne parole. Voilà. Mais je vais t'expliquer une chose. Quand tu as commencé à parler de tes problèmes, je regardais les commentaires, il y a des gens qui disaient « Mais Miskina, il faut l'aider parce que de la manière dont tu l'as tourné, tu nous as pas dit que tu n'avais pas besoin. La prochaine fois, commence à dire « Bassem, je t'appelle pour avoir des renseignements sur les banques islamiques. Je précise que je ne suis pas dans le besoin, mais je demande s'il y a moyen de… » Là, il y a des voilà, gens. Tu ça. Sais pourquoi? Parce que là, si j'avais écouté tous les hamars qui me disent crée une cagnotte litchi, tellement que la chronique, elle est bonne. Ouh, Schnell. Non, il y a des bons et des bonnes, et eh ben, les gens, ils auront mis dedans. Et finalement, on aura envoyé à une femme qui n'avait pas forcément besoin. Non, après, je le dis. C'est pour ça que je le précise. Je le dis. Je n'ai pas besoin. Je n'ai pas besoin. J'ai juste besoin de ces sous-là. Enfin. D'un prêt, je dis bien d'un prêt, non pas d'un don, pour pouvoir racheter ma maison, pour garder ma maison, pour moi et mes enfants. Voilà. Et tu vas tout perdre, en fait. Si jamais je n'arrive pas à trouver, je risque, oui, de perdre ma maison, oui. Il te les faut avant quand? Enfin, ma maison. Mais là, j'attends la décision là, de la notaire. J'ai un mois pour les trouver. T'as un mois pour les trouver? Inch'Allah, j'espère les trouver. T'es propriétaire? T'es propriétaire? Voilà, c'est ça. Miskina, la proprio. Ouais, putain. Ok, non, en fait, ça a été mal interprété. Tu demandais des renseignements sur... La façon dont tu... Ouais, voilà, en fait, c'est pas question. La façon dont tu le dis, on a l'impression mais la façon dont moi je le vis, pour moi, c'est ces 5000 euros-là qui vont tout faire, en fait. Pour que je puisse garder ma maison, pour que mes enfants puissent garder leur maison et qu'on puisse garder notre maison. Quoi. Pourquoi t'as pas essayé Cofidis, Sofinco et tout? Parce que je peux pas. Ah, parce que tu travailles pas, c'est vrai. J'ai pas de garantie. Voilà, je travaille pas, j'ai pas de garantie. Pourquoi t'as pas essayé Viva Street? Non, je rigole, non. Viva Street, en un jour, l'affaire, elle est pliée. Tu prends 4 ou 5 routiers poids lourds, c'est bon. T'as... Non, je rigole. Non, je sais pas. Bon, là, je sais pas. Sache que voilà. Non, voilà. Je demande pas un don. Absolument pas. Je demande pas du tout un don. C'est vraiment pas ça. C'est juste un renseignement pour pouvoir m'aider à savoir si je peux trouver ces 5000 euros. Il y a Jamazuki qui nous dit « Tu vas pas tout perdre. Au pire des cas, tu dois revendre la maison. » Ouais, non, en fait, moi, c'est vraiment pour la garder parce que mes enfants ont grandi. Après, c'est pas une question de maison.
c'est parce que là, je pourrais me dire, oui, je récupère ma part et je rachète une autre, au pire. C'est pas une question de maison, c'est vraiment parce que c'est la maison. Mes enfants ont grandi, ils ont fait leur premier pas, ils ont tout ici. Ils sont pas loin, il y a les écoles qui sont pas loin, il y a les voisins, c'est les amis, il y a le parc à côté, enfin, ils ont tout à côté, quoi. C'est vraiment la maison, voilà, en fait, c'est la maison, c'est pas... Mmh, d'accord. Bon, bah écoute, franchement, nous, on n'est pas encore mis en place, et voilà, quoi, moi, je t'ai expliqué. Après, voilà, s'il y a des gens, s'il y a des gens qui veulent l'aider, venez me voir, bon, vous allez la voir, elle. Mais voilà, après, moi, je ne prendrai pas le risque à mon nom de mobiliser des gens pour... Non, du tout. Tu me fais penser, Wanda, hein, je ne t'insulte pas, hein, mais tu me fais penser aux bourgeois bohèmes. Tu vois, ceux qui pleurent la Palestine affalés sur leur fauteuil en cuir. Tu comprends? Donc, Moi, je sais. Je te donne une image. C'est dans l'excès. Mais moi, je pense que je ne prendrais pas le risque de faire des machins comme ça. Impossible. On aide les gens qui sont dans le besoin. Après, c'est pas ce que je te demandais. Oui, alors. Alors, excuse-moi. Voilà. C'est peut-être de ma faute. C'est moi qui ai mal compris. Mais tu t'es mal et bien exprimé. Complètement. Là aussi. Certainement. Non, parce qu'à un moment, dans ton témoignage, tu fais jouer la corde très sensible. Mes enfants, ainsi de suite. Bon. Voilà. Oui, parce que ça me touche. Je me dis, si demain la Italie m'arrive quelque chose, au moins ils auront quelque chose. Ils sont pas à la rue, quoi. Mmh. Ils sont pas à la rue. Au pire des cas, ouais, ils seront pas à la rue, Inch'Allah. Hein? Voilà. Ah non, je veux dire, s'il m'arrive quelque chose, au moins ils ont un héritage, ils ont quelque chose. Voilà, c'est tout. C'est, d'accord, très bien. Non, carrément pas. Je demande pas du tout de qu'on me les donne ou une cagnotte ou quoi que ce soit. Carrément pas. C'est pour ça que j'appelais, si jamais il y avait de quoi faire un prêt. Voilà. D'accord, très bien. Pas du tout pour me les donner. En tout cas, le message, il est passé. Inch'Allah que tu trouves ça, et puis Inch'Allah que les choses se passent bien. Inch'Allah. Merci d'avoir appelé. Salam alaikum. Salam. Ouais, c'est une blague. Attends. Moi, je vous dis, pensez au projet à la chronique. Wallah. Attends. Chante, c'est Ahmed Dari de Tours. Salam alaikum, les gens. Non, mais c'est une blague. Bientôt, on va faire comme. Il s'appelle comment ce film, Chance, où ils se striptisent tous. C'est des. Ah merde. The Full Monty. Bientôt, on va faire Full Monty pour ces gens-là. Qu'est-ce qu'il dit, Chance, Ahmed Dari, bien ou bien? Ouais, là, bah, c'est bon, là, tranquille, elle m'a tué la meuf juste avant avec le petit prêt de 5 000 euros, là. Elle est pas arrivée, elle m'a fini en commentaire. Mais le pire, c'est qu'il y avait des gens Nia qui disaient, moi, je vais mettre un billet, moi, je vais, voilà, l'arrivée, c'est un truc de fou. Ah, pourquoi pas, s'il veut l'aider, c'est... Ah, mais c'est un problème de riche, frérot, de quoi tu me parles? Ouais, après, comme on dit, c'est vrai qu'il y a un côté humain. Bon, il y a un côté humain. Attends, bouge pas. Putain, fais chier. Allez. Connecté à iPhone de Basme. Attends. On achète une perruque. Ouais, vas-y, je t'écoute, là, Chancy. Vas-y, c'est bon. Je t'écoute. Ouais, je te disais, on peut faire une cagnotte pour Ahmed Belkhir aussi. Ah, commence pas avec Ahmed Belkhir, vas-y, frérot, si, c'est bon, stop. Une perruque quand même, le gars, faut bien qu'il se trouve une bonne veste depuis le temps. Allez, arrête, c'est bon, Wallah, en tout cas... J'écume les soirées. En tout cas, il est incorruptible. Beaucoup de gonzesses ont essayé de le salir, il les a remballés, le frère, la tête de ma mère. Wallah, qu'il y a des gonzesses... Wallah, l'adim, t'as beau dire... Écoute-moi bien, Ahmed Belkhir, je l'ai connu comment, moi? Ouais, c'est des meufs qu'on a calvitie, frère. Non, frérot, écoute, Ahmed Belkhir, moi, je l'ai connu, il faisait partie de la chronique saison 1. Oh, on rigole, on taquine. Et Wallah, toutes les meufs... Attends, frérot. Toutes les meufs qui sont parties le voir... Toutes les meufs qui sont parties le voir, elles se sont pétées les dents. Du soir, je t'entends pas très bien, Bassem, ça coupe. Hein. Ouais, parce que c'est normal, je sais pas ce qui se passe. Est-ce qu'on t'entend? Vas-y, je t'écoute. Je te disais, le débat, c'était quoi? C'est l'islam solidus, c'est ça? Ouais, les anachis de... Ah, oh ma soeur, bah à Carrefour, au rayon laitier, tu vas te faire ploter. Ouais, tu vas avoir un achi.
Écoute, c'est qu'est-ce que tu veux, champagne halal, ben écoute. Attends, t'as oublié, quand on, tu as oublié de dire quand on chante le Anachid, on a toujours un survêtement de club. Hein. On a un peu les cheveux longs, et ainsi de suite. Hein. Tu vois ce que je veux dire? Le tosmer autour de la boîte à vitesse, l'homme qui sait des Anachid, l'ami molette dans le panis. Hein, toujours, rendez-vous avec la frangine dans les bois. Et là, si tu vois ma soeur, la création, et là, tu commences à t'approcher. Tu oh ouais, merde, merde! Qu'est-ce que tu veux, ma soeur? Non, écoute, merde. Ça fait longtemps, hein, un petit moment. Là, on revient. Bon, bah, tranquille, comme un cancer après. Barbecue de la street, oui ou non? Non, moi, je pourrais pas venir. Je serais en mode Fredma, c'est impossible. Non, bien, honnête. Une prochaine fois, alors. Impossible. C'est mort, là. Mais je pensais que t'allais faire ça pour septembre, moi. Non, ça, c'est un petit barbecue entre nous. Tu sais quoi? Je vais te dédicacer. Tu sais quand je vais te dédicacer, Shanks? Quand tu verras le petit film, quand on renversera le frigo avec plein de glace, on prendra des oranginas en verre, des oasis et des coca. Et quand on tapera le Sebber au domino, ou le koufla, ou le koufla, on va taper le Sebber comme ça, mon frérot. Voilà, voilà. Mais ça va être, ça veut dire, il y aura du monde, t'as comptabilisé combien de personnes? 30-40 personnes, là. T'es fou, toi. Ah, il y aura des surfs, voilà, comment elles vont venir. Ça va faire des trips sandwich. 30-40 personnes, frérot. C'est chaud. Ça va, bien. En tout cas, il y a que du lourd. Bon, là, des bonnes personnes, bien. Elle est bien, la baraque, hein? Elle est bien, la baraque. Ouais, alhamdoulilah, écoute, on l'a... Voilà, quoi, c'est juste pour remercier les gens qui participent souvent en quête, qui sont là pour la chronique. Alhamdoulilah, ça me fait plaisir, wallahi l'azim. T'as l'air passionné, tu t'as tué avec Hamad quand t'as dit « les confites ». Non, wallah, j'ai pas... C'est un mélange de kèh et de chlip. Non, kohib, en Tunisie, le kohib, ça veut dire des manières. Tu fais des manières de kohib, tu vois. Ah, d'accord. Voilà, ça veut dire ça. Moi, je suis pas sûr, je parle tunisien, c'est très bien. Ouais, je sais, frérot. Sinon, il est où, Ahmed? Il est à côté de toi? Ouais, il est là. Le poney intérimaire. Il a maigri, frère. Oh non, j'ai un toundé. C'est vrai? Tout maigre. Oh Allah, il a perdu 13 kilos, frère. Il s'est passé quoi? Bah, frère, il est en mode redma, il mange pas beaucoup, il est en mode sport, il fait des tractions. Je crois qu'il va faire une moukabala, je crois, avant le ramadan. Il va se mettre sur Skype, il va se dire doré. Ah, putain de merde. Attends, je vais te le passer. Allez, envoie la sauce. Vas-y. Allo, salam alaikum, Bassam. Alaikum salam, mon frère Ahmed, ça va la famille? Ouais, ça va, alhamdoulilah, toi, la forme, la santé, tes enfants, tes parents, que tu l'as fait. Allah ou fik, mon frère, comme d'habitude, alhamdoulilah. Je t'écoute, frère. Alors, quoi de neuf, qu'est-ce que tu racontes de bon, mon quoi frère? Quoi de neuf dans le 6-9, que du lourd, frérot. Du lourd. Frère, moi, ouais, j'ai cru comprendre, parce que j'ai pas trop suivi, parce que vu que je suis en train de faire un truc en même temps, j'ai cru comprendre l'islam swag. De toute façon, qu'est-ce que tu veux que je te dise, l'islam swag, tu le vois quand? Tu le vois pendant le ramadan? Tu le vois pendant le ramadan, alors là, c'est spectacle. Franchement, je veux dire un truc tout bête. Moi, je sais très bien, j'habitais à Paris avant. Mm. Et, subhanallah, quand tu sors de la mosquée, ben bref, quand tu sors du Tarawih, je n'ai jamais vu, parce que bref, j'habitais dans un endroit, et j'étais enclavé entre Villejuif, Ivry et Port d'Italie. Et c'est un endroit, il y a grave, il y a quoi, il y a que des chichas, tu vois. Wallahi al-Azim, le reste de l'année, c'est vide. Subhanallah, pendant le ramadan, c'est blindé. Blindé à mort, mais à mort, tu vois. Ouais, mais après, attends, excuse-moi, Ahmed. Mm. Nous, dans nos quartiers, Smahni, pendant le mois du ramadan, les terrasses, elles sont pleines, les gens, ils mangent toute la nuit. Que les chichas soient pleines pendant le mois du ramadan. À la rigueur, il y a quoi? Il va avoir que des pafs là-bas. Il y a que des zboubs qui vont là-bas. Mm. Tu vois pas des meufs qui sont là-bas. Tu vois, à la rigueur, je préfère voir remplir les chichas comme ça. Ça fait tourner l'industrie des cousins et tout le reste. Hamdoulette, les chichas, elles sont pleines. On est là-bas, on plane. Tu vois, les petits, ils arrivent avec leur glacière. 1 euro de la canette. Tu lui donnes. Voilà, frère. Après, comme j'ai dit, il y a des choses sur lesquelles, après, je suis pas d'accord non plus. Mais, moi, je te parle pas de entre hommes, t'es entre garçons, t'es bon enfant, t'es on se vanne, on rigole, on essaie de décompresser un peu. Moi, je te parle mélange filles-garçons. Écoute, laisse-moi te raconter un truc. Je connaissais un frère, il était serveur où? Dans une chicha, elle les connaît, elle s'appelle le 75, à la porte d'Italie. Wallah, il a ardé, hein. Il me disait quoi? Il m'a dit, il y avait un mec et une meuf, ils ont rompu, bref, ils faisaient des repas, parce que bref, ils ont un côté resto.
ils ont rompu le jeûne. Wallah, ils se sont galoches après la date. Juste après la date, ils se sont embrassés. Wallah, juste après la date. Et ils ont dit, bismillah, ils ont fait au lieu de voir la harira conventionnelle, eh ben, ils ont tapé une harira à la langue. L'Eldium, frère. Et là, tu te dis quoi? Tu te dis, et par rapport à l'islam swag, pareil, tu regardes dans les tenues. Dernièrement, tu portais quoi? Tu portais des khamis. Frère, c'est plus des khamis, c'est fini le khamis élégant, blanc, que, et voilà, que t'es qui est élégant, t'es qui est beau, t'es qui, on va dire entre parenthèses, t'es qui renvoie. Maintenant, tu vois des khamis du Tour de France, des khamis moulants, comme il dit Shanks avec la merguez latérale sur le côté, et tu dis, même la vie conventionnelle du musulman, et il a changé. Exactement. En fait, c'est te dire ce qui fait de nous, ce qui fait notre identité, nous les musulmans, Yanni. La vie de prière, que ce soit la jlaba, que ce soit le khamis, on aurait dit c'est en train de faire en sorte de le rendre encore plus près du corps. Les gens sont plus focalisés sur non, mais les gens, Ahmed, les gens, quand tu leur dis ça, tu sais ce qu'ils te disent? Ils te disent, ouais, mais tu critiques le truc des frères. Et voilà, et si pour eux maintenant c'est normal, j'ai vu des khamis climatisés, proches du corps, oui, moulants, les gens, la vie de la mer, ils veulent pas le voir ça. Le jaune et bleu, ce qu'il y avait dans le nuage, c'est incompréhensible, Yannick, c'est incompréhensible. Mais pourquoi ton avis à ça? Parce qu'il y a l'offre et la demande. Je sais très bien qu'il y a des mecs eux aussi, ils ont envie de faire montrer leurs muscles. Comme t'as des sœurs aussi qui kiffent voir certains frères avec ce genre de khamis là. Je te dis, c'est l'offre et la demande. La sœur, elle a envie de reluquer et le frère, il a envie qu'on le reluque. Après, qu'est-ce qui se passe à la fin? Tu les étonnes, tu les vois à la fin, les mecs, ils sont sous l'oriya. Pourquoi? Parce que toute l'année, ils se mangent des rines à cause de ça. Oula, que c'est vrai. Oula, Adem, c'est vrai. Il y a un imam que je connais très très bien, il m'a dit, Oula, Ahmed, j'ai jamais vu autant de gens touchés par le rine. Tu vois, le mec, il met le khamis, boum! Mec, il y a quoi? Il y a les omoplates qui ressortent, tu vois, il y a les bras qui ressortent. C'est limite, le mec, c'est même plus un khamis, c'est un garrot de prise de sang. Et le mec, une couche là, il se vit dans deux secondes de son sang, tu vois. Wallah, khamis, Vin Diesel, comme il a dit, le frère. Wallah. Wallah, allez, relax, un khamis, garrot. Alors, attends, Lila Ferrat, je viens d'arriver, c'est pas à nous de juger les gens, mais on juge pas. Arrêtez avec vos commentaires de beubeux. Il y en a marre, la tête de ma grand-mère. On ne juge pas, on constate. De toute façon... Putain! De toute façon, il y aura toujours ce genre de brebis galeuse. Il y aura toujours ce genre de brebis galeuse qui va venir faire comme un père de... Oui, c'est pas à nous de juger. Mais excusez-nous. Mais aussi... Mais quand... On parle pas de la communauté qui s'est dégradée par le prophète, nous l'a dit, on le sait. Ahmed, Smahni, te rappelles, Ahmed, on se connaît depuis longtemps, te rappelles quand on était sur l'ancien groupe, et quand je disais, il y a 2 ans en arrière, je disais, vous allez, quand il y a des meufs qui me disaient, comme la même là qui vient de dire ça, quand je disais à la meuf, arrêtez de dire chacun juge, vous allez voir, avec votre laxisme, un jour on va arriver à tourner des clips dans une mosquée, c'est arrivé. Tu étais moi ou pas, Ahmed? Je l'ai dit il y a 2 ans en arrière. Parce que c'est vrai, parce que regarde dans la fin de la vidéo, t'as vu, le mec il est dans une mosquée, habillé en khamis, et le mec il fait du rap. Attendez, c'est quoi ça? Déjà, même si, on va dire, procédons par analogie, même une personne, on va dire, nous qui ne sommes pas absolument de bons exemples en termes d'islam, mais on va dire qu'on limite la case, on sait très bien que la musique c'est haram, et encore plus dans une mosquée. Alors que dans une mosquée, c'est quoi? C'est le Coran, c'est dhikr, c'est des assemblées de science, c'est apprendre l'ilm, apprendre une science, comme ça. Le mec, il est là en train de dire quoi? Et j'avais même vu dans cette vidéo, il y avait une sœur à l'école, elle a dit, ouais, mais il se peut que... En parlant de ça, Ahmed, moi, il y a un frère qui est sur la chronique, qui s'appelle Enzo Molinaro. C'est un frère que je connais depuis longtemps. Il n'est pas d'accord avec moi, ce frère-là. Mais c'est un frère que je respecte beaucoup. Parce que pour moi, c'est le converti par conviction. Je le connais. C'est quelqu'un, wallah, il se bat pour parler de ça. Et lui, un jour, je vais le faire intervenir par rapport à ça. Mais moi, sache que je te dis, frérot, voilà, c'est tout le temps des beubeux pour la ramener. Oui, jugez pas, chacun sa tombe. Je suis sûr, tu vas ouvrir son profil, tu vas voir ce qu'il y a, tu vas tomber sur le cul. Le français, il a dit quoi? Il a dit quoi? Elle a dit, il viendra un moment, le croyant, il sera aussi méprisé qu'une brebis chétive. Il sera aussi méprisé qu'une brebis chétive. À partir du moment
où tu lèves le haut là sur un truc et que tu dis c'est pas bien, ben qu'est-ce qui se passe? Eh ben t'as une partie, enfin t'as une grosse partie des gens qui vont venir, qui vont te contredire toi, parce que, entre parenthèses, ou n'importe quelle personne qui dit la vérité, mais les gens ils vont se rendre, tu sais pourquoi? Non, le truc, Ahmed, c'est que j'ai fait un essai. Un jour j'ai mis une publication où c'est un mec qui se fait exploser dans un bus. Ouais. J'ai eu 300 commentaires. Sur les 300 commentaires, il n'y en a pas un qui m'a dit « Arrête de juger, cache les péchés de ton frère. » Par contre, quand tu mets un air hiswag ou une hijab climatisée intérieur cuir, c'est le premier commentaire qui va arriver. « Hachem, cache les péchés. » Ça me tue, les gens comme ça. C'est parce que soit eux-mêmes, ils sont comme ça, soit eux-mêmes, ils connaissent des gens qui sont comme ça et ils comptent, et comment on appelle ça? Genre, ils les poussent aussi dans leurs convictions parce qu'en fait, ils vont te dire quoi? Ils vont te parler du moindre mal. Tu vois, ben, au moins, elle est comme ça. Non, excusez-moi. Exactement. Ils les poussent dans les convictions. Et c'est à cause de ce genre de personnes qui dit « Arrêtez de juger » qu'on a ouvert des mosquées gays. Parce que vous, ça vous gêne pas, ça. Les gens qui disent « Arrêtez de juger ». De toute façon, regarde, même... De toute façon, on va pas plus loin. Allah, avant le Coran, du coup, il dit, et si tu suis la majorité des gens, ils t'égareront du sentier d'Allah. Allah, il a parlé de la majorité. Et Annie, c'est une majorité qui sont dans l'égarement. Il y a toujours une minorité qui parle, et c'est toujours elle la plus méprisée. Mais par contre, c'est de cette petite minorité qu'il y a toujours la victoire qui vient. Exactement. C'est comme ça. Ça a toujours été comme ça. Les prophètes ont toujours été en petit nombre. Comme un rappeur a dit, et les rappeurs ne disent pas tout le temps tout n'importe quoi, il disait, je préfère une mytho qui s'affirme que quelqu'un qui porte un masque de sincérité. La tête de ma mère aujourd'hui, c'est comme ça. Toutes celles comme celles qui viennent me dire ça, ça c'est l'islam swag, c'est... Il aura deux cheveux dans le dollar. Donc autrement dit, ça veut dire quoi? Ça veut dire, il a une langue avec laquelle il appâte les gens, et une autre avec laquelle, quand il les appâte, eh ben, il arrive, il les égare vers lui. Il a toujours un double discours, mais avec son autre langue, eh ben, il arrive, il fait le dégel, genre payé. Il fait de la dissimulation, on va dire ça comme ça. Mais de toute façon, franchement, par exemple, t'as vu aujourd'hui, c'est pire, mais demain, ça sera pire. En fait, chaque jour est suivi, chaque jour est toujours plus pire que le précédent. Et c'est pas prêt de s'arrêter. Et encore, subhanallah, c'est rien. Et encore, subhanallah, c'est rien. Là, t'es là, on en parle. Parce qu'on va dire qu'on est dans la branche de 30-40 ans. Si Allah, il nous allonge la vie jusqu'à 60 ans, Allah, le mahouya, ce qu'on va voir. Franchement, sincèrement, je ne sais pas qu'est-ce qu'on va voir, mais à mon avis, Attends, mais excuse-moi. Je crois qu'il y a des gens, là, qui viennent de Pluton. Ils me disent, mais c'est vrai, la mosquée gay, mais vous êtes sérieux? Elle date d'un an. Un an? Elle a été ouverte. Vrai ou faux, Ahmed? Allez sur Internet, tapez une mosquée gay. Et en plus, regarde, on va pas plus loin. T'as vu quand ils ont démarré le projet de la mosquée gay, transsexuelle, ainsi de suite et tout. Tu sais, ils ont été hébergés où en tant que mosquée? Ils ont été hébergés dans un temple bouddhiste. Dans un temple bouddhiste. Alors, les mecs, ils ont prié au milieu des idoles. Déjà, regarde ces gens-là, au lieu d'être proches et de se dire, mais Al-Shaitan, c'est pas bien ce qu'on fait, ils sont partis chercher de l'aide. Alors, smahni, Ahmed, smahni. Il y a un frère, il faut qu'on lui réponde, là, à deux. Parce qu'un frère, il pose une question, il dit, mais j'ai une question à poser à Bassem et à son invité, est-ce que c'est pas haram de vivre dans ce pays de haram? Mais attention, tu nous as entendu nous plaindre, nous, de dire, c'est quoi ce pays de kofar? Là, on critique pas la France et les Français. Rien à voir avec ça, grand. On critique pas. Non, on constate chez nous l'islam swag. Quitte à parler du pays. Voilà. Moi, je vais t'expliquer une chose. Je suis musulman. Attends, frérot. Je suis musulman avec tous mes défauts. Je suis musulman avec tous mes défauts. Je suis très, très loin d'être un exemple. Je suis un maghrébin, un tunisien, hamdoulay, et wallah l'azim, je suis un français. Oui, je suis né en France. Ben oui. La France, elle m'a éduqué à l'école. Ben oui. La France, elle m'a éduqué au travail. Fier d'être un Français. Donc, ferme ton cul. Moi, je suis pas le mec qui va cracher sur la France pendant un mois. Et tous les quatre du mois, je vais être devant le distributeur avec de la buée à minuit une pour retirer le RMI ou le RSA que ce pays que je dénigre tant me donne. Bref. Ouais. Après, de toute façon, t'as toujours des gens qui sont hors sujet, on parle d'un truc, subhanallah, comme ils disent, j'aime pas, alhamdoulilah, donc des fois, tu comprends même pas. Comme je dis, pour en revenir à ce que je te disais, je te dis, regarde, ils sont partis chercher de l'aide de qui? Ils sont partis chercher
de l'aide chez des idolâtres, chez des gens qui adorent une statue qui ne peut ni leur répondre, qui ne leur fait aucun bien et qui les attire que vers le mal. Regarde, c'est parce qu'ils sont partis pris dans un temple bouddhiste. Donc déjà, tu vois, il y a un truc qui va pas. Il y a quelque chose qui va pas. Il y a un mauvais son de cloche. Après, Kaiser Sosen, je t'ai pas insulté. Fais pas chier. Rahambouk. Arrête de faire chier les gens. Je t'ai respecté, je t'ai donné la question, je t'ai pas insulté. J'ai pas dit toi, j'ai dit ceux qui disent ça. Putain. Vas-y frérot. Non, mais encore une fois, c'est toujours la même chose, c'est la victimisation, c'est quand à force, franchement, tu te fais des angines à répondre à ce genre de personnes-là, parce qu'ils ne comprennent que ce qu'ils n'ont envie de comprendre. Comme le frère Smahni, le frère Kemal, qui vient de dire... L'islam, tu la pratiques, tu l'imposes pas. C'est ça ou pas ce que tu m'as dit, frérot? Répète. Je me rappelle plus, je vais regarder après. En tout cas, il a dit, parlons pas. Sinon, ils vont bloquer ta page. Mais non, frérot! Kemal. Oh, on parle pas de ça! Non, mais là, on parle pas de ça. Là, on parle pas de ça. Là, on parle d'un vrai frère. Kemal, il a dit, Smahni, l'islam, tu la pratiques ou tu la pratiques pas. Tu l'adaptes pas à ta vie de clochard. Il a raison. La tête de ma mère, il a raison. Ça c'est clair, mais comment on appelle ça, ça je suis d'accord avec ce qu'il dit. Mais là encore, là on parle de l'islam soi et que ça n'a rien à voir. On parle de l'islam qui vient comme un effet de mode, il vient comme une vague. De toute façon, le prophète, en ce moment, il a dit, l'islam est venu comme quelque chose d'étrange, il redeviendra étrange et bonheur aux étrangers. Après, on l'a interrogé, qui sont les étrangers à Rasulullah? Mais le Humul Rorabi à Rasulullah, il a ce qu'il a dit, الذين أصلحوا الناس من بعد ما يفسدون, il a ce qu'il a dit. Ce sont des gens qui vont rendre droit ce que les gens ont rendu tordu. Donc, autrement dit, quoi, c'est que quand tu viens avec la vérité, tu auras 99% des gens qui vont dire, ouais, t'es extrémiste, t'es quelqu'un de néfaste, t'es quelqu'un de trop dur, alors que pas du tout. Quand t'arrives, t'as envie de, on va dire, entre parenthèses, ne serait-ce que sauver ta propre personne de l'enfer. Même dans ta famille, tu peux avoir des problèmes et on le sait très très bien. À partir du moment où quand tu commences à dire des choses qui, entre parenthèses, sont non conventionnelles, mais pour Allah, elles sont conventionnelles, à ce moment-là, tu commences à te faire des ennemis au sein même de ta famille. Et on le sait très très bien. T'as plein de frères et de sœurs qui se sont fait mettre à la porte. Pourquoi? Parce que tout simplement, ils voulaient faire l'islam comme Allah il le veut. Et malheureusement... Alors Ahmed, il y a un mec qui dit, toi tu vas te calmer, hein. Il commence à dire, je vois des hijabs humides. T'as pas honte? Ahmed, il a bien parlé, tu vois des hijabs humides. Oh non, mais putain. Non, au sujet centre qui est l'islam swag. Ouais, on a la c'est la vérité. Et un frère, il avait dit, je crois en commentaire, bref, il parlait, et l'Esprit a dit, tu vois ne serait-ce que la sortie de la Jumu'a, Allah dans le Coran, il dit, « وَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةِ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ » Allah, il a dit, et quand la prière est finie, éparpillez-vous et allez chercher les grâces d'Allah. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, éparpillez-vous, restez pas à parler devant la mosquée. T'as des sœurs, elles sont un groupe de sœurs, 20-30, elles sont en train de guetter les RI. Et pareil, t'as les RI qui sont devant la mosquée, qui guettent les ourtis. Alors qu'Allah, il dit, فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, éparpillez-vous et allez chercher des grâces d'Allah. Autrement dit quoi? Allez travailler. Donc nous, on fait le contraire. Nous, on arrive, on se dit quoi? On se dit, ouais, bah, je vais un peu me rincer l'œil. Les mecs, subhanallah, ils sont dans le dhikr d'Allah, ils sont dans l'évocation d'Allah, ils sortent de la mosquée, ça redevient des shayatins et des loups. Alors regarde, la prière, elle est finie, rentre chez toi, va faire le rappel à ta femme. Ta femme, elle n'est pas partie à la Jumu'a. Ouais, voilà, et j'ai entendu ça, l'imam, il a dit ça, voilà, on va essayer de changer ça. Au moins, ben, c'est apporter ne serait-ce qu'un vent, de douceur chez toi. Un vent de douceur chez toi. Non, voilà, le galique, il est devant le jamais, il est posé, il est en train de relucher la sœur, elle est en train de relucher le frère. Attends, où est-ce qu'on va? Alors que normal, pourquoi on dit encore une fois, pourquoi on dit, ouais, tu sais, quand une sœur, elle arrive, elle est en mode maquillage et tout, c'est parce qu'à la base, Allah, comme le prophète en son esprit l'a dit, la femme est une awra. Quand elle sort dehors, le shaitan, il lui donne de l'importance. La femme entière, c'est une entité. Quand elle sort dehors, le shaitan, il lui donne de l'importance. À ce moment-là, que les hommes, ils commencent à la regarder. Donc encore plus, une sœur qui est maquillée comme une voiture volée, donc forcément, qu'est-ce qu'on va dire? Parce que pour nous, les sœurs, on va dire entre parenthèses, qui mettent le hijab ou pas du tout,
vous êtes entre parenthèses les mères de demain, vous êtes les grands-mères, vous êtes les tantes, vous êtes les cousines. Yannis, c'est quoi? C'est l'honneur de la famille, il est sur vos épaules, il est sur vos épaules. Et pareil pour les frères, hein, pareil pour les frères, parce que c'est facile d'incriminer les sœurs en oubliant les frères. Comme t'as des frères qui sont mariés, mais qui vont à la muscu, et on connaît très bien ce genre de personnes, Basel, qui poussent à fond, juste pour rentrer dans son Amish M, alors qu'il fait du XL, limite les mecs, il va faire quoi? Il va faire un AVC, parce que ça y est, le sang, il irrigue plus au cerveau, à cause du dernier bouton. Et c'est là où après, la ourtie lycéenne de merde, elle fait des filigranes. Avec toi, je me sens bien. Prends ma main, la putain sur le corps, j'ai envie de. Tu vois, ça fait des filigrames, voilà, et tout, ça part en couille, voilà, bref. Voilà, frère, c'est pas grave. En tout cas, Ahmed, merci, hein. Merci, frérot. Après, malheureusement, ce genre de petites midinettes de 16, 17 ans, là, ils disent parce qu'elles connaissent rien, malheureusement, elles sont quoi? Elles sont arrivées dans une vague qui est Snap, WhatsApp. En fait, c'est la facilité de parler avec n'importe qui. Tu te rappelles, nous, à notre époque, dans un monde, pour avoir un rendez-vous avec une fille, alors, au monde, il fallait esquiver les frères, il fallait trouver un rendez-vous, je ne sais pas où, et encore même ce rendez-vous-là, il n'était pas sûr, parce qu'il y avait toujours quelqu'un qui allait coucher avant son frère. Donc voilà, on va dire, entre parenthèses, il y avait un minimum de pudeur entre nous, donc tu pouvais pas regarder ton frère, enfin, il y a ni ton frère filleur, et en même temps sortir avec sa sœur. Maintenant, c'est devenu, c'est le frère qui fait, tu vois, tranquille, tant que c'est toi, merliche. Ouais, c'est ça, c'est exactement ça. Mais ça y est, frère, c'est mort. Mais je pense que, voilà, hein, t'as bien résumé le truc, tu as fait le tour. En tout cas, t'es un bon frérot, barakallahu fik. Et puis, Inch'Allah, on se rappelle à chaque fois, il n'y a aucun problème. Prenez soin de vous, vous êtes des bons. Mes frères marocains, vous êtes des bons. Voilà, vous êtes des bons. Amin, frère. Merci, Allah. Barakallahu fik, frérot. Salam alaikum, frère. Faudrait qu'il me remercie, le frère, avec tout ce qu'il va gratter. On comprendra qui pourra. Bref, ce fut excellentissime. Merci à tous les intervenants, à tous les intervenantes. Big dédicace à la sœur qui veut créer une association pour aider les sœurs. Pour Wallah, celle-là, faut qu'on la suit. Faut qu'on voit ce que ça donne un peu. Et puis voilà, on continue le combat. On continue comme ça, mais là, on est opérationnel. On peut pas plaire à tout le monde. Seuls les hypocrites plaisent à tout le monde. Ça, c'est clair, net et précis. Dernière chose. Oqsomo billahi l'azim, wallahi l'azim. Allah en est témoin. Les blacks, c'est mes frères. J'ai jamais été contre eux. C'est mes frères dans le dîn. C'est mes frères dans la vie de tous les jours. Mais ça sera jamais mes beaux frères. Ça, je l'ai toujours dit. On a le droit de rester avec des gens de notre communauté. Wallah, sinon, je le dis, c'est mes frères. Prenez soin de vous, de vos familles. Et on se dit à plus tard. Wassalamu alaikum, les gens.